Boom! Salut ma belle gang de Facebook! François ici, je suis très heureux de vous faire un autre Facebook Live aujourd'hui avec trois nouvelles personnes que je vais vous présenter. Trois participantes qui ont marché le terrain de Reset. Trois participantes qui transforment leur vie, qui ont un impact énorme sur beaucoup de personnes. Donc, avant toute chose, comme à mon habitude la plus fidèle, je vais aller voir sur ma page si je suis vraiment en live, parce que j'ai déjà fait des lives de plusieurs minutes et finalement, je n'étais pas en live. Donc, oui, je suis en live. Donc, merci encore une fois. Je ne sais pas à quel point je dois vous remercier. J'ai le cœur gonflé de gratitude de voir tout ce qui se passe en ce moment, ma belle gang. Vous êtes nombreux à suivre ces entrevues-là, à écouter l'histoire de ceux et celles qui ont tourné leur regard un jour. Hein? Ils ont tourné leur regard vers l'intérieur. Ils ont appris à venir se calmer, appris à venir faire du ménage, appris à ramener cette lumière-là à l'intérieur d'eux et se laisser émerveiller par la vie. C'est pas juste des belles phrases, tout ça. C'est pas juste des beaux discours, des belles citations qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui fonctionne. Hein? C'est déjà là à l'intérieur de nous. Il ne manque absolument rien. De temps en temps, on a juste besoin de se faire donner la main pour venir réapprendre à vivre, réapprendre à se nettoyer, à se purifier, à manifester une vie pleine de sens et de conscience. Tout ça qu'on devrait apprendre dans les écoles. Et on n'a pas nécessairement eu ça. Aujourd'hui, on l'apprend beaucoup avec des formations un petit peu partout sur le web et tout. Et moi, j'ai le privilège d'être entouré de gens qui font ça aussi, hein? Même dans les formations de psy, de coach, d'intervenants, de professeurs, d'infirmières, d'entrepreneurs qui incarnent la pleine conscience de plus en plus et emmènent ce changement-là dans le monde. Et ceux et celles que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, mais sont vraiment à leur façon à eux, tout comme moi, en train d'emmener le changement dans le monde. Je vous demande d'accueillir chaleureusement, sur une tonne d'applaudissements, Martine Cédilotte, Alexandra Joyal et Denise Landry. Salut les filles! Allô! Ah, on vous entend toutes bien. Vous savez, avant de se présenter en live ici, on a eu des petits pépins techniques encore une fois. Le web, c'est génial, hein? Souvent, je me plais à dire que donner des conférences ou quelque chose, il peut avoir un petit niveau de stress. Mais le web, c'est beaucoup plus challengeant que donner des conférences parce que tu as le son, tu as l'image, tu as l'éclairage, tu as la technique, tu as l'Internet. Il y a plein de données qu'on ne maîtrise pas, en fait, qu'on doit apprendre à lâcher prise. Et chacun d'entre nous, excepté Denise, hein? Parce que Denise, tout à l'heure, elle nous le dit, Denise, c'est la fille de Dieu. Tu nous as dit tout à l'heure, hein? C'est ça que ça veut dire. Denise n'a pas eu de bug, mais Alexandra et Martine ont dû... apprendre à se gérer pour être présente avec nous. Hey, je suis vraiment heureux de vous avoir avec nous. Est-ce qu'il y a un petit niveau de stress? Oui, un petit. Une excitation, un stress, un petit. Et c'est correct, c'est normal, c'est normal. Mettez-vous, ceux et celles qui nous regardent, mettez-vous à la place de Martine, Denise et Alexandra. Vous faites un live, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, parce que c'est ça, vivre avec dans un flow avec François, c'est dire... On fait une entrevue ensemble, on ne sait pas ce qu'on s'en va, je ne vous donne pas de questions, je ne veux même pas savoir qu'est-ce que vous allez parler, on va s'en aller dans un flow, il n'y a rien de plus vrai au travers de tout ça. Mais avant d'aller plus en profondeur dans certains thèmes qu'on va aborder, je veux juste vous présenter, en fait, je vais commencer par mon amie Martine. Martine Cédilotte, hein, qui est une amie hein, à qui je parle à tous les jours, mais Martine a fait aussi partie de mon équipe, le Happy Team. C'est aussi, je l'ai-tu ici? Il est où mon livre? Martine, tu dois l'avoir, toi. Attends, je l'ai. C'est aussi la co-auteure du livre avec moi, Reconnecte avec toi, un livre qu'on a co-écrit ensemble. Moi, j'ai dessiné, Martine, elle a écrit. C'est pas vrai. En fait, on a co-écrit ce livre-là. C'est un livre pour enseigner la pleine conscience aux enfants. Et Martine, elle a un don unique d'illustrer tous les enseignements et les messages que je partage. Martine, tu viens d'où, toi, dans ce monde-là? En Grande-Bretagne, hein, qu'on voit ton... T'es British, toi? Non, ça, c'est Luc qui a du britannique. Ah, je savais pas! Mais oui! OK. D'où je viens? Je viens de Terrebonne. Non, dans tout ça, ben, regarde, ça partie qu'on s'est rencontrés à Inspire-toi parce que j'ai été amenée par une amie. Que moi, elle se faisait un bout, là, que je pataugeais, puis ça faisait peut-être un an que j'avais pris mon baluchon d'expérience, puis j'avais décidé je vais offrir ce que je suis à ceux que je sens que c'est la mission qui est cohérente avec la mienne. Ouais. Et ça a fini qu'on s'est rencontrés. Fait que je pars de... Ça fait combien d'années, ça, Martine, que je m'en rappelle comme c'était hier, tu me contactais, tu voulais travailler avec moi, faire quelque chose avec moi, en fait. En septembre, ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans déjà? Cool! Coco, il va avoir 5 ans. Oh my God! Ça va vite. On en a fait des choses depuis ce temps-là. Donc, tu es ici au Québec. Oui. Tu es aussi au Québec et tu travailles dans notre organisation. Tu es un allié... c'est essentiel, en fait. Tu navigues dans la même direction. Souvent, vous nous voyez, vous dites « Oh my God, François, c'est génial, mais j'ai toute une équipe autour de moi de gens qui pagaient dans la même direction, à cette même vision-là d'inspirer le monde, de changer le monde, mais aussi de se libérer à l'intérieur de soi. » On va en parler plus loin, Martine, mais est-ce que tu t'es transformée dans ces dernières années? Oh mon Dieu! C'est assez fou, hein? Oui, merci d'être là, Martine. On va aller voir vers Alexandra. Salut, Alexandra! Allô! Comment vas-tu? Je vais bien, je vais super bien. Je suis comme fébrile, excitée, je suis comme une petite fille. Je suis vraiment... Ah, good, génial. Merci premièrement d'arrêter le temps, toi aussi, pour être là. Alexandra, t'es où, toi, au Québec? Même moi, je le sais même pas. Je suis à l'Assomption, dans la Nodière. OK, donc, parfait. Je viens de la Mauricie, mais j'habite ici depuis 7 ans. OK. Et est-ce que tu te rappelles par où t'es entrée, toi, dans l'univers de François Lemay et tout? Oui. Oui. Moi, dans le fond, c'est ma mère qui m'a, je pense en 2017, tu étais en conférence à Trois-Rivières. Okay. Et comme je viens de là, ma mère, elle m'a dit « Hey, j'ai vu ça, là, tout est parfait, il y a une conférence, il me semble que ce serait ton genre, tu sais. Ça nous ferait une petite sortie mère-fille pour la fête des mères, je pense que c'était au mois d'avril-mai. » Ouais, ça se peut. Je dis « OK, c'est bon, on y va. » Puis là, je suis comme, honnêtement, je m'attendais à rien, j'avais aucune attente, je ne te connaissais pas du tout. Moi non plus, je te connaissais pas. J'étais arrivée là, puis en même temps, j'ai fait « Oh my God! » C'est comme si t'étais le versant masculin d'une partie de moi. Je capotais, je l'écris, on dirait que c'est moi, mais en gars, avec ton énergie. Puis j'ai trouvé que la conférence, c'était long, ta conférence. C'était un... Ouais, c'était intense. Puis ça m'a vraiment fait un « wow », là, gros. Je suis repartie en auto, j'ai fait 1 heure de char, puis j'ai fait « OK ». Ça m'a boosté en énergie, là. Fait que ma rencontre avec toi, elle était là. J'étais allée te rencontrer après, tu m'as signé ton livre, j'ai lu ton livre après, bon, puis c'est ça. Cool! Je sais pas si je t'en parle plus ou t'en... Non, non, mais on va aller plus en profondeur, mais je veux juste voir d'où est-ce que vous êtes arrivé. Puis même pour moi, c'est nourrissant, j'aime ça parce qu'on se voit dans les différentes formations, mais d'où exactement? Et j'ai aimé ce que tu as dit. Tu trouvais que j'étais l'équivalent masculin du féminin que tu étais. Ouais. Et ça, ce message-là, des fois, je reçois en disant « François, on dirait que t'es moi. On dirait que je m'entends parler puis tout ça. Ouais. » Mais la réalité, c'est que c'est une reconnaissance de notre vérité. Exact. Totalement. C'est ça qui est hot. Il y en a plusieurs. Je pense à Martine, à Denise et à tous les gens qui étaient là. La majorité des gens que j'ai pris en entrevue, c'est des gens qui ont vibré en reconnaissant ce qu'ils portent à l'intérieur. Et ça a fait comme « OK, c'est possible. » Puis là, on s'est mis à marcher ensemble. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu fais avec tout ça aujourd'hui parce que c'est super inspirant, tout ce que tu es en train de faire. Merci. Denise, la dernière et non la moindre. Salut, Denise. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ça va super bien. Toi, on te parle de où? T'es où exactement sur cette belle planète? Moi, je suis native de Shawinigan, dans la Mauricie, mais je demeure à Venise, en Québec, sur la baie Missisquoi du lac Champlain. Oui, OK, good, génial. Et t'es rentrée de où, toi, Denise? Ça fait... Entre Alexandra, Martine, je pense, Denise, t'es dans les dernières... Ça fait pas si longtemps que ça, je me trompe pas, que t'es dans les formations, toi. Physiquement, je suis de Reset 5. OK. Mais de François Lemay, je suis de Inspire-toi. Oh my God! Quelque chose avec Daniel Blouin ou Soyons le changement. J'ai fait les lives, j'étais abonné sur tes petites vites. J'ai fait le 21 jours, Reconnecte-toi. L'attitude à changer pour le manque, se sortir du manque. J'ai fait le webinaire. C'est le dernier webinaire au mois de juin que je vibrais tellement fort parce que j'étais déjà dans un des cours avec un autre... J'étais après faire un cours de 15 mois sur Internet avec Jean-Jacques Trafiqueur. Ouais, quand j'ai terminé ça, je me disais, ça a été super, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Mais, tu sais, l'espèce de petite étincelle qui manque toujours, comme on dit, la cerise sur le sundae, là. Ouais. J'étais satisfaite du travail que j'avais fait pendant 15 mois parce que, oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de libération, mais... Cette espèce de c'est pas ça que je cherche, c'est pas ça que je veux toucher. Je veux aller toucher à mon cœur, je veux aller toucher à ma divinité, c'est ça que je veux. Puis quand t'es arrivé, un moment donné, j'étais abonnée à tes petites vites, fait que je recevais continuellement des petits 2, 3, 4 minutes. Je te suivais sur YouTube, puis tout ça, puis aussitôt qu'il y avait quelque chose, même ça fait pratiquement au début, quand Martine, elle a fait le livre « Reconnecte-toi » pour les enfants, je l'ai acheté à ma petite fille. Fait que ma petite fille, c'est quasiment 2 ans qu'elle a ce livre-là. J'ai lu ton livre « Tout est toujours parfait ». Tu sais, il y a plein de choses. J'ai fait le bootcamp l'année passée. Puis, je suis arrivée, j'ai pas pu faire Ubuntu parce que Reset 5 a fini, je pense, le 2 ou le 3, non, le 30 ou le 30 septembre. J'ai embarqué dans Ubuntu le 2, puis le 4, c'était pour le chose. Puis quand Nathalie Hébert, elle me dit, écoute, tu peux venir au Ubuntu vendredi. Je dis, non, je suis pas prête, là. Faut que j'aille classer mon chien chez la gardienne, tu sais. Fait que je suis rentrée le samedi et dimanche avec mon mari, mais j'étais placée avec Ubuntu dans les VIP, tu sais. Fait que je me suis dit, waouh, c'est parfait, ça. Fait que ça fait quand même très longtemps. Ça fait un bout parce que tu fais les nombreux programmes gratuits que je donne sur le web puis tout ça. Mais ça fait, exemple, mettons, 1 an qu'on marche ensemble en formation. Et il y a eu beaucoup de changements, puis j'ai hâte de t'entendre que tu puisses partager aux gens. Denise, es-tu avec un ordinateur, toi? Oui. Baisse ta caméra, ton ordinateur juste un peu pour qu'on te voie la face encore plus. Ah, waouh, 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 waouh! Je me voyais quand même bien sur mon ordi, là. Toi, tu me vois super bien, mais moi, je te vois, mettons, comme ça. Ah, oh, non. Je voulais vous dire que ça se passe plus bien. On va baisser encore. Non, c'était parfait. Hein? Juste un petit truc comme ça, quand on est en live, normalement, nos yeux là, devraient être le tiers là, de l'écran, comme ça. Ben, c'est ça, il est au tiers. C'est ça. Ben, bref, c'est parfait, c'est parfait. Donc, en fait, ce que je veux dans ce live-là, la beauté, c'est qu'on a tous un acte, des axes différents. Et c'est la force d'une communauté, c'est de dire, ben, par mon message, hein, par qui je suis, par mes libérations, par mes transformations, par mes anciens schémas, mes anciens patterns, mes challenges que je peux avoir vécu, qu'est-ce que je peux avoir transcendé? Ben, par mon énergie, par qui je suis, je deviens un message au monde entier. Hein? À mon homme, on va l'entendre tout à l'heure, Denise, entre autres, à mon homme, à mes enfants, à ceux et celles qui tournent autour de moi, ma vie devient un message. Et c'est pas « je veux être le message », mais plutôt « je veux vivre pleinement » et par cause et effet, ça va avoir un impact. Et chacun à votre tour, je veux aller bonifier sur qu'est-ce que ça peut vous avoir emmené, mais je vais commencer avec toi, Denise, vu qu'on est déjà en train d'échanger. Et quand j'enlève l'image des 2 autres personnes, c'est pas parce que je les aime pas, hein, mais c'est juste pour mettre un focus un peu plus sur Denise. Donc, bye-bye Martine et bye-bye Alexandra, mais vous êtes encore là. En fait, Denise, partage-moi un peu. Premièrement, peux-tu nous dire, est-ce que c'est délicat de te demander ton âge? 69 ans. 69 ans et fier d'avoir son 69 ans. Je n'ai pas 69 intérieurement, par exemple. J'ai une petite fille. Oui, oui. Mais en même temps, on a des gens tout jeunes. Hein? On l'a vu avec Hugo, hein? Je pense qu'il a 17-18 ans. Et puis, je pense que la doyenne, elle a 81 82 ans. C'est génial. Et on en a plein dans 60 ans, plein dans 70 ans, plein dans 55 ans. Ce que je voulais emmener par ce point-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'être... dans un milieu de, tu sais, un changement de carrière ou d'avoir à gérer nos enfants qui sont tous jeunes. Puis la conscience, c'est à tout moment que c'est le temps de se nettoyer. Moi, honnêtement, je te le dis et je te le redis encore, Denise, tu m'inspires énormément. Ben, c'est grâce à toi aussi avec tes enseignements. Par ta vie, par ta vitalité, par le désir d'être une personne encore meilleure. Partage-moi un peu. Parce qu'avant François Lemay, tu travaillais, tu étais déjà dans la conscience, tout ça, tu travaillais sur toi, mais partage-moi la différence que ça peut avoir causé dans ta vie, dans la vie de ceux et celles qui t'entourent. Avec toi, on touche le cœur, OK? On va vraiment, même si j'avais fait Jean-Jacques, que je dénigre absolument pas parce qu'il faisait partie de mon cheminement pour que j'arrive à toi, moi, j'avais l'impression qu'avec Jean-Jacques, on faisait juste un survol. On arrivait, on prenait conscience des choses. Mais quand je suis rentrée dans Reset 5, où est-ce que là, j'allais chercher mes valeurs, j'allais chercher tout ce que je voulais avoir, tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais être. Ça fait longtemps que ça pousse dans mon être d'être une meilleure version puis enseigner. Tu sais, je sais que j'ai la mission de conscientiser les gens puis de dédramatiser les situations. Ça fait partie de moi. Je donnais des ateliers de qui es-tu. J'allais chercher ça. Puis je leur montrais ça à des gens où est-ce qu'ils rentraient. J'ai déjà eu un client qui est rentré quasiment sur le bord du suicide. Puis j'ai fait mon 2 jours d'atelier avec lui. Puis je pense qu'il avait poussé de 6 pouces. Là, il était rendu. Puis il disait merci, merci. J'ai fait des ateliers avec des gens qui étaient en prison, des détenus. Où est-ce que j'avais... Oui, j'ai un front de bœuf. Puis moi, la peur, elle ne me paralyse pas, elle me fait foncer. Ouais. Fait que quelqu'un qui me connaît, que je pars en peur, puis quelqu'un qui me connaît me dit « Ouais, Denise, elle a comme un peu peur, là, tu sais. » Mais il y a des gens qui me disent « Ben, je suis comme un bulldozer, je défonce. » Puis c'est parce que j'avais peur intérieurement. Fait que quand je suis arrivée... Elle faisait attaquer, mettons, attaquer. Oui, je faisais la défensive continuellement, moi. Pas nécessairement de maîtrise à ce moment-là. C'était comme un fonctionnement par défaut, je fonce dans la peur. T'sais. Ben c'est ça, j'étais la guerrière, moi, tu sais, la guerrière, la sauveuse, je voulais que tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux, puis moi, je me donnais à 300 000 à l'heure là-dedans, puis même quand les gens, dans le temps, dans mon ancienne version, les gens qui n'arrivaient pas à ça, j'étais tellement malheureuse de ne pas avoir fait un bon travail. Intéressant. Je me disais, voyons donc, comment ça se fait que j'ai... Bien, pourtant, on a vu ça, puis pourtant, on a vu ça. Je me mettais beaucoup, beaucoup de responsabilités sur la charge que les gens ne prenaient pas leur propre responsabilité. Tu prenais les choses personnelles. Ah oui, oui, oui. Il n'y avait pas le résultat, tu étais la cause. Tu disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Tu prenais les choses personnelles. Exact. Parce que moi, je porte les 5 blessures, hein. Je prends toujours le package deal au complet, moi. Moi, c'est comme ça, je le vois. Tu portes les 5 blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. On n'est pas plus brisé qu'un autre, c'est juste que tu as 5 portes de reconnexion, toi. Oui, mais des fois, ils sont raides parce que j'ai vécu deux jours, j'ai vécu les 4 blessures en même temps. J'ai fait, voir une chance que j'ai les enseignements de François parce que je ne suis jamais capable de me sortir de là. J'étais tellement, quand c'est arrivé, j'étais tellement dans mon ego, j'étais tellement dans ma tête pour comprendre le pourquoi, que ça m'arrivait. Puis quand je suis allée me coucher, j'ai pris tout ça, j'ai mis ça sur ma table de nuit, puis là, j'ai dit à mes guides, vous me faites rêver quelque chose pour que moi, je puisse arriver à être plus calme. J'essayais de me switcher, puis je n'étais pas capable. Je dis, pourquoi ça m'arrive? Je ne mérite pas ça. Puis là, les 5 blessures, là, rejet, abandon, l'injustice, puis surtout la trahison. Ouais. J'avais un poing dans l'épaule qui me plaquait comme s'il y avait quelqu'un qui m'avait donné un coup de poignard. Quand je me suis relevée le lendemain matin, ils m'ont fait rêver un grand chemin qui était quasiment cristallisé et j'avais une machette dans les mains puis je coupais tout. Qu'est-ce qui arrivait? Tu sais, quand tu dis on défriche. Oui. Mes guides me disaient dans mon rêve, si tu savais le cadeau qu'il y a en arrière de ça, tout de suite, tu ne croiras pas ça. Puis le cadeau a été que je venais d'aller me faire un soin énergétique pour aller tout reconnecter mes deux branches d'ADN. C'était tout déconnecté, cette affaire-là. Comment je pouvais arriver à manifester? Je ne pouvais rien manifester, même si je mettais des efforts, puis je me disais, comment ça se fait que je ne manifeste pas, puis j'ai tous les moyens, puis, tu sais, je veux dire, j'avais pris quand même l'attitude à adopter pour se sortir du monde, puis je me disais, je fais tout, pourquoi? Mais quand Marie-Josée me dit, Denise, t'es tellement déconnecté dans ton être, là, t'es à partir du plexus à aller jusqu'à la racine, puis tout le chakra de la gorge, là, c'était bloqué. Puis là, aujourd'hui, je respire, je suis bien, c'est ouvert, c'est... Es-tu fière de tout le cheminement que tu peux avoir fait? Si tu savais, je me regardais ce matin en m'arrangeant, puis je me regardais dans les yeux comme ça, puis je me disais, que je t'aime, toi. Que tu sois où tu es rendu, c'est exactement le chemin que je veux avoir, tu sais. Est-ce que les gens autour de toi, Denise, on veut une différence, hein, parce que tantôt tu le dis, tu n'avais pas peur, tu fonces dans les affaires, tu prends ta place puis tout ça, mais ils doivent t'avoir vu changer, peut-être assouplir, peut-être détacher, peut-être. Est-ce qu'il y en a qui te l'ont dit autour de toi? Oui, parce que j'ai 2 amis à moi qui se sont inscrites à Rue 7-6. Ah ouais, hein? Le changement. J'avais quelqu'un qu'aujourd'hui, par le recul puis la hauteur que je prends, qui m'a fait faire la contraction de justement mardi, que c'était un boulet que je traînais, que j'étais encore dans ma version de sauveuse, de vouloir sauver cette personne-là, puis la faire, tu sais, vous faire voir qu'est-ce qu'il en est, puis elle est pratiquement en fin de vie. Puis je me disais, je vais lui donner un baume, tu sais, parce que moi, je suis, par déformation professionnelle, je suis une ancienne infirmière, fait que, tu sais, le don, la vocation, puis ça fait partie de moi, tu sais. Puis que c'est elle qui me fait cet apport des 4 contractions. Puis ce matin, je disais à mon mari, si tu savais comment elle me fait un beau cadeau à travers tout ça, pour comment je me sens maintenant, tellement dégagée, puis tellement bien. Ouais. Merci, 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 je suis que gratitude. Exact. Mais même ma fille, elle ne me parlait plus depuis 4 ans. Et là? Même elle me dit, elle m'invite pour souper, parce que ça fait quasiment ça, 4 ans que je ne suis pas allée. Elle dit, elle m'appelle, elle me dit, Mère, veux-tu venir souper? Je dis, OK, oui, je vais y aller. Mais j'étais un petit peu réticente par rapport à tout ce qui s'était passé. Ouais. Mais je me dis, hey, écoute, fais-moi le canal, puis tout va se faire comme dans la bonne chose, dans la synchronicité, de faire le travail que je fais bien, le travail pour moi, là, tu sais. Ouais. Je suis rentrée là, ma petite fille m'a sauté au cou, mon petit-fils, salut, mamie, comment ça va? Même le chien qui sautait sur moi. Et mon gendre, que j'avais un petit peu beaucoup de difficultés parce qu'il me ressemble pas mal, il s'en vient, puis il me dit, bonjour, je suis contente de te voir, ma fille avec. Le souper, ça a été merveilleux. Puis là, ma fille, elle me regarde et elle me dit, « Maman, elle dit, sais-tu qu'est-ce que... » Et ma fille, jamais, même quand elle était toute petite, jamais qu'elle me dit qu'elle me trouvait belle, qu'elle m'aimait, que mon linge était beau, elle jamais un commentaire comme ça. Là, elle est assise à la table, puis elle me regarde et elle me dit, « Maman, tu as tellement changé, là, je te reconnais plus. » Wow! Mais j'ai dit, c'est moi qui ai changé, et toi, tu n'as pas changé rien, tu restes encore dans les choses que tu es, c'est correct. Mais si tu savais l'amour que j'ai pour vous autres, c'est ce qui fait changer. Puis moi, j'ai dit, l'amour, c'est toujours la réponse. Ouais. J'étais tellement boguée dans mes blessures, j'étais tellement boguée dans toutes mes agressivités, puis toutes mes choses, que je le reflétais, puis eux autres, le rebound arrivait, puis disaient, on ne veut plus te parler, on ne veut plus te parler. Mais toutes les gens qui sont toxiques depuis ça, ça se tasse tout sans que je dise rien. Parce que tu as appris à t'aimer aussi. Tu sais, comme tantôt, tu le dis, si tu la regardes dans les yeux, tu es fier de elle puis tu l'aimes. Tu as appris à t'aimer, ça a emmené la paix à l'intérieur de toi. Tu as appris à ramener ton attention, ton focus, à faire le switch. Et par cause et effet, le monde change à l'extérieur. C'est dur à croire ça, hein, Denise, au début. Dire, viens changer l'intérieur et le monde extérieur va changer. Ben, c'est parce que moi, ce que je voyais dans ça avant, c'est que tout ce que moi je vivais, c'était toujours la faute des autres. C'était à cause d'eux, c'est parce que. Puis tant que moi, je ne me regardais pas, ben, j'avais un feedback du regard que j'ai intérieurement à l'extérieur. Moi, j'avais fait un live justement de dire ce que je vois à l'extérieur que j'aime pas, j'apprends à le changer en moi. Puis ce que je vois à l'extérieur que j'aime, que j'admire, bien, j'apprends à le développer en moi. Donc, le regard que moi j'ai intérieurement se met comme un focus de vidéo sur un écran. Exact. C'est à moi à changer. Mais tant que je n'ai pas compris, avant, dans mon ancienne version, tant que je n'ai pas compris que c'était moi la responsable, mais que je n'étais pas coupable parce que je ne le savais pas, mais qu'aujourd'hui, il n'y a rien à voir, malgré la contraction que j'ai vécue mardi. C'était merveilleux, tu sais. Oui, parce qu'en même temps, aujourd'hui, tu es rendu que tu sais que ces contractions-là, derrière ça, avec les outils que tu as maintenant, tu vas venir la déballer puis tu vas avoir accès à une nouvelle donnée. Ça, c'est stimulant, ça aussi, hein? C'est motivant de savoir qu'on est constamment en évolution, en train de transformer. Est-ce que l'ancienne Denise, elle cherchait à être parvenue versus la nouvelle Denise à dire, ben finalement, je ne le serai peut-être jamais et je vais continuer de me purifier, de me libérer? Oui, parce que l'ancienne version, elle se mettait des objectifs, puis elle courait après ces objectifs-là pour que ça soit réalisé, OK? Ouais. Maintenant, l'objectif est dans ma journée. C'est quoi ma journée que je veux vivre aujourd'hui? Je vais me prendre une carte de bonne pensée positive ou quelque chose comme ça. Je vais regarder, je vais être très vigilante dans ce que je vis. Ah, il y a telle affaire. Oh, c'est OK, je l'accepte. On verra tantôt, ça changera, parce que je sais que tout va changer. Mais le regard est beaucoup plus maintenant dans l'ici et maintenant que dans le futur, en ayant peur que ça n'arrive pas, que j'arrive pas à créer l'objectif que je me suis fait, puis qu'après, je me tape sur la tête en disant, ben moi, il n'arrive jamais rien, puis ça n'arrive jamais rien, puis de me plaindre, tu comprends? Tandis que là, puis en arrière, les choses qui me reviennent aujourd'hui, j'ai les moyens, j'ai les outils pour arriver à libérer ça. Parce qu'hier, pas hier, c'est mardi que c'est terminé, là on est jeudi. Là on est jeudi, oui. Ah, ben le 22, le 21, quand je suis arrivée en contraction le soir, mon mari il me dit, écoute, dors là-dessus, tu vas voir. Puis le lendemain, quand je me suis réveillée, il me regarde et il me dit, mon Dieu, ton énergie est complètement changée, ton attitude par rapport à... Mais j'ai dit, écoute, j'avais mis mes soucis sur la table de nuit, puis moi, je dors, là, tu sais. Ah, je m'en occuperai le lendemain matin. Puis quand je suis rentrée le lendemain matin, puis j'ai fait mes choses que je fais parce que j'ai une espèce de petit rituel de bonne pensée, de me mettre dans une énergie où ce qui est là, puis d'être vraiment au flot. Mon mari, il me regarde et il me dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il rouvre la porte du foyer, puis là, il fait, ah ouais, ta patate, mets-la ta patate. J'ai fait, OK. Puis là, j'étais encore dans l'émotion, tu sais, de toute la... Oui, j'acceptais, oui, j'accueillais, mais j'étais encore un peu à graffiner ici, tu sais. Ouais. J'ai dit, attends un peu, laisse-moi faire. Puis là, je suis allée me mettre, mettons, en méditation pour regarder tout ça. Puis là, je m'en venais avec ma fausse patate, parce que je ne l'avais pas dans les mains. Oh, ouais. Je m'en venais comme ça, tu sais, puis il rouvre la porte, puis il dit, tiens. Fait que je la dépose avec mon Ho'oponopono, puis tout ça, tu sais. Il dit, non, non, c'est pas fait. Je dis, comment ça, c'est pas fait? Ton cri est où, lui? Wow! Juste pour mettre les gens en contexte, c'est merveilleux, là. Parce que les gens qui ne connaissent pas le parcours de Reset ou du bootcamp, puis ils ne savent pas de quoi tu parles avec ta patate. Puis, fait que c'est un processus que j'ai développé pour venir libérer, en fait, des anciennes mémoires, des anciens schémas, des anciennes blessures, en fait. Et il y a un processus à faire. Et là, en fait, ce qu'elle vient juste de nous dire, c'est que c'est son mari qui a dit « Hey! » Tu t'es libéré, je t'ai vu libérer plein de fois avec François. Tu transformes ta vie. On est allé au bootcamp, tu t'es libéré. Là, tu es dans tes souffrances. Puis c'est pas parce que tu as marché le terrain qu'il n'y en a plus de souffrances. Regarde, ton mari te dit, hey, ta patate. Donc, c'est beaucoup d'amour pour toi, ça. Je dirais, c'est le temps de continuer à se libérer. Ça doit avoir un impact sur ton mari, sur tout le monde comme ça autour de toi. Mon mari, il a fait par en arrière, dans l'ombre. Dans l'ombre, Reset 5 avec moi, où ce que je partageais les choses. Il a fait, il est après faire un switch, il est rendu au 4e module, il écoute toutes les lives, toutes les masterclass, puis toutes les choses avec moi, il regarde sur ma page Facebook privée, il va écouter les messages, les vidéos de toutes les gens. Ouais. Hier, justement, il m'a donné, j'avais ton téléphone pour aller vers l'invitation que tu m'offrais. Ouais. Là, il me dit... mais t'es fini, tu viendras, j'ai affaire à te parler. OK. Je termine l'appel avec toi, puis tout ça. Je m'en viens dans le salon, je m'assois, puis là, il s'assoit. Puis j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien protocolaire, ton affaire, tu sais, c'était comme tellement noble, là, tu sais. Il dit, j'ai décidé quelque chose. J'ai dit, ah oui, c'est quoi? Il dit, j'ai décidé de m'inscrire dans Reset 6. J'ai fait, OK, c'est merveilleux. Je dis, enfin, tu ne seras plus mon ombre. Tu vas être dans ta place à toi. Puis moi, je vais avoir mes choses à moi. Mais il dit, je vais pouvoir partager. Puis il dit, l'ermite sort de sa cage. Il arrête d'avoir peur et de se cacher. Wow. Ah oui, il y en a. C'est génial. C'est génial. Tu sais, Denise, je le sais que tu es dévouée, hein, parce que je te vois suivre les formations, commenter. Tu sais, je suis capable de voir où est-ce que tu es rendu. Puis tu es vraiment assidu dans ton développement. Et comme tu dis, indirectement, ton homme entend en arrière, puis là, en plus, il fait switch. Il voit. Tu sais, souvent, les gens vont dire mon homme, il n'est pas là, ou les autres sont pas là, puis tout ça. Tu sais, une fois, je travaillais avec une femme qui analysait mes guides, puis elle m'a dit une phrase qui m'a secoué, qui a été « Ne sous-estime jamais quelqu'un qui a une conscience endormie, parce qu'en l'espace de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut dépasser ton éveil de conscience comme ça. » Ah oui, ça, c'est sûr. En réalité, c'est déjà à l'intérieur de nous. Tout ce qu'il faut, c'est de se rappeler. Donc, le nombre de fois que j'ai vu des gens, souvent, c'est des femmes, parce que la majorité du temps, les femmes, émotionnellement, on est plus... Je dis « on » en plus, c'est pas drôle, hein? On est plus ouvertes, mais souvent, c'est des femmes qui vont écouter. Puis là, l'homme est en arrière, puis là, le petit maudit François, puis capable d'entendre François, puis à un moment donné, il va faire « il parle de moi. Ça a du sens, ça, cette affaire-là. » Et là, tout doucement, la tension va venir. Et des fois, c'est des enfants. Des fois, c'est le mari. Puis souvent, dans les lives, hein, tu le sais, on voit le couple, puis le mari ne devait pas être là. Et là, ton homme, il est, non seulement qu'il est en train de dire « Je vais faire ton reset et je vais faire ton switch », mais il est en train de dire « Moi, je prends ma place dans le prochain reset. » Même si toi, tu es là, c'est ça. C'est exceptionnel. façon, j'ai décidé pour 2019, quand j'ai embarqué dans Reset, suite à ton webinaire qui m'a fait tellement vibrer, là, qu'il fallait absolument que je sois là. J'avais l'impression intérieurement que le X était là, puis il fallait que je me mette sur le X, absolument. C'était ça que j'avais besoin. Puis j'avais pris la décision, je suis à la retraite, mon travail, c'est de 9h le matin à 5h sur moi. Wow! Donc, je suis devant l'ordinateur comme si je travaillais dans un bureau, comme je travaillais, je réponds, je vais écouter des lives, je vais écouter des vidéos, je vais écouter qu'est-ce que les gens disent, je regarde, là, je fais le pont avec moi. Puis, tu sais, plein de choses, wow, telle affaire, il y a plein de choses. Même, il y en a une qui m'a fait faire des grosses contractions puis prendre un recul à travers des blessures que j'avais à travers elle, son partage. Puis, je me dis, oui, j'avais pas vu ça, cette affaire-là, comment ça se fait? Tu sais, je me disais ça à moi, mais je fais mon travail de 40 heures par semaine, c'est mon travail sur moi. Tu as décidé de faire ça comme ça, toi. Tu as décidé de t'impliquer comme ça. C'est jamais fini. C'est tout le temps comme ça. Je suis un petit peu moins sur le live, oui, mais il reste quand même que c'est ma priorité. Et quand Denise a dit qu'elle écoute les autres vidéos, c'est parce qu'elle est dans Ubuntu, dans une autre formation avec moi. Puis on est plusieurs, comme Denise, comme Alexandra, comme Martine, hein, toutes des gens qui ont marché le terrain de peu à bon bout, puis qui viennent partager, puis qui viennent livrer leurs expansions, leurs contractions, leurs bons coups, leurs prises de conscience. Et de temps en temps, il y en a un qui fait une vidéo qui fait réagir l'autre avec ses blessures et c'est super riche tout ça. Denise, je veux prendre un autre commentaire qui est là. Je me reconnais tellement dans le discours de Denise. À moi de changer vivement le début de Reset. Et ce jour de mon anniversaire, le 9 février, génial. Il y a plein de gens, Denise, dans le fil d'actualité, tu pourras aller voir, qui sont très inspirés par ton témoignage. Et moi, quand tu te dis, ben écoute, s'il reste une place hein, pour les entrevues, je veux être là. Et hier, on a eu une cancellation de dernière minute. Je te l'ai demandé hier soir parce que, en plus, oui, tu t'es offert pour être là, mais je te le dis, le redis, je te trouve très inspirante. Tu appliques la pleine conscience, tu as l'humilité de mourir dans une vieille version de toi-même. Et de renaître, et t'as beaucoup à contribuer, à aider. J'ai juste une chose à rajouter. En 1994, je suis allée dans une place où la dame canalisait des anges, j'écoute ça, puis on avait demandé à ceux qui étaient dans la salle, ceux qui voulaient être des flambeaux de lumière, OK? Ceux qui voulaient être dans l'ère du Verseau. Puis moi, j'avais pris la décision et l'engagement que j'étais là, puis qu'aujourd'hui, je suis rendue éveilleur de conscience. Oui. Wow! Puis 94, là, ça fait quand même longtemps, là, ça fait au moins 5 ans. Et puis je me disais, je ne sais pas comment ça va aller, je ne sais pas comment ça va se faire, mais moi, je suis juste, sers-toi de moi dans ce que je dis ou dans ce que je fais ou dans mon attitude ou quelque chose comme ça. Je suis juste le canal, moi, de faire l'éveil. Je n'ai pas besoin d'essayer de convaincre « Hey, tu devrais embarquer, puis François, c'est bon. » Non, vraiment pas. Ça marche pas. Non. C'est par mon attitude, c'est par ma brillance, puis c'est par tout ce que moi, je vibre à l'intérieur. Puis les gens me regardent puis me disent « Qu'est-ce que c'est là? » Elle dit « Tu y radis tellement, on te voit le cœur gros de même. » C'est un cœur à deux pattes. J'ai dit oui, je suis ça, puis plus ça va, plus ça grossit pour moi et pour les autres en plus. Fait que je ne peux que dire merci et gratitude. Écoute, merci à toi de marcher ce beau terrain-là puis d'être un exemple. Tu vois, tu dis c'est deux de tes amis qui ont rejoint Reset. Ton mari, puis je suis sûr que tu n'as pas dit à ton mari que tu devrais faire juste en étant... Non. Tu as un impact et ça, tu as un impact sur ce que tu me dis. Mais il y a plein de monde que tu n'as aucune idée à quel point tu as un impact. Donc, merci, c'est un privilège pour moi de t'avoir dans cette belle grande famille, mon ami. Bien, c'est un privilège pour moi d'être dans cette grande famille-là de choix. Cool, génial. Écoute, est-ce que Martine et Alexandra, c'est inspirant de voir Denise quand même partager ça. C'est toujours le fun parce que tout le monde, jusqu'à présent, qui ont passé les entrevues, on se connaît tous. Parce que c'est tous des gens qui ont fait un reset ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou des bootcamps ou qui ont fait des retraites ou qui sont dans Ubuntu. Mais ils sont tous dans Ubuntu. On s'est tous vus grandir. On s'est toutes vues, pour la majorité d'entre nous, bien souvent, pleurer. Hein? Je pense que tout le monde que j'ai eu dans un live, je les ai vus pleurer. On n'est pas obligé de pleurer. Hein? Si tu es derrière ton ordinateur en disant « Moi, je ne rentre pas là-dedans parce que je ne veux pas pleurer. » Mais non, tu n'es pas obligé de pleurer. Tu n'es pas obligé de faire de vidéos non plus. Mais souvent, quand on s'implique, à un moment donné, ça devient une seconde nature. Ça devient au quotidien, on pense à la communauté, on pense à des gens qui sont en train de se transformer, de se libérer, de mieux se connaître, de s'accueillir, d'être fiers d'eux. Et ça devient, hein, c'est comme un écosystème qui nous soutient. C'est extrêmement puissant. Denise, fort intéressant. J'y vais avec... Martine, j'ai envie de te garder pour la fin, mon ami, d'accord? Je vais te faire patienter un tout petit peu. Je vais y aller avec Alexandra. Je vais juste dire, bah, Denise, tu restes encore avec nous par contre. Je vais juste baisser la caméra. Bah, bye Denise et bye bye Martine. À tantôt. Salut Alex. Allô. Comment vas-tu toi là? Hey, je vais vraiment bien. Inspiré d'entendre Denise? Oui, puis en même temps, j'ai eu des bugs parce que je l'entendais pas. Fait que là, j'ai trouvé mon téléphone, puis là, j'écoutais pas fort parce que j'avais peur que le son, en tout cas. Ah, j'avais coupé votre son. J'avais coupé votre son pour être sûr parce que j'entendais un autre son en arrière, donc... Bon, c'est pas grave, mais là, je l'écoutais discrètement parce que je voulais l'entendre parce que ça marchait pas sur la plateforme, en tout cas. Mais là, oui, j'attends vraiment inspirante. Ah, c'est vraiment... Tout le monde est super inspirant dans cette belle communauté-là. Toi, de quelle façon que la pleine conscience, la compréhension, l'intégration sur tous ces enseignements-là a eu un impact sur ta vie dans les derniers temps, dans les derniers mois, années? Moi, je suis quand même une bébé, là, dans le sens où ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait Reset. J'ai fait Reset le dernier. Ouais. Reset 5, j'étais allée voir ta conférence, j'ai lu le livre. Je te suivais un petit peu sur ta page Facebook. Puis là, je suis embarquée dans Ubuntu juste depuis novembre. Fait que je suis quand même, tu sais, comme assez nouvelle. C'est ça. Mais t'es plus un... Moi, je te qualifie plus d'un bébé maintenant. OK, vraiment. T'as tout fait, en fait, là. Tu sais, t'as fait une retraite avec moi aussi. Non, même pas. OK, je pensais que t'avais fait une retraite. Fait que t'as fait Reset, t'es venu à une conférence, t'es dans Ubuntu, là, t'es plus un bébé. Les bébés, c'est tous les nouveaux qui vont rentrer, Bref, t'as déjà été un bébé. Oui, c'est ça. J'ai déjà été un bébé, mais je me considère tout le temps un peu bébé dans le sens où... C'est ça que je trouve cool, c'est de rester dans l'humilité, de venir dire quand je pense que j'ai compris quelque chose, je n'ai pas tout le temps compris. Puis... C'est ça. Garder la mentalité d'un beginner, effectivement. Exact. Mais ta question, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que tu as d'autres connaissances, hein? Tu as déjà une compréhension, tu as déjà un chemin parcouru, tu t'en sers au quotidien. Tu veux-tu nous partager un peu... Qu'est-ce que ça a cause? Puis qu'est-ce que tu fais avec tout ça, toi? Bien, dans le fond, moi, ça fait à peu près 5 ans là, que plus précisément, j'ai commencé un travail d'introspection, disons, plus sérieux. Même si c'est pas sérieux, mais tu sais, plus intense, disons, sur moi-même. Plus engagé. Je suis un peu comme toi dans le sens où j'allais me former beaucoup, là, un petit peu boulimique là, de connaissances qui, par le fait même, m'a emmenée dans une... genre de thérapie, si tu veux, sur moi, là. Parce que quand on travaille dans le développement personnel, dans la relation d'aide, bien... on le fait en même temps pour soi. Fait que je te dirais que j'étais déjà sur le terrain. Ce que toi, ça m'a apporté à moi, c'est l'intégration. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai lâché toutes mes espèces de connaissances, puis j'ai intégré. Je sens que j'ai intégré des choses. Puis ça, c'est nouveau. Dans le sens où j'ai appliqué des trucs que je savais déjà. Il y a quand même un paquet d'affaires que je connaissais déjà, mais que là, j'ai appliqué. J'ai appliqué... Le gros pour moi, c'est la méditation, là, vraiment. Là, c'était bien beau, je le disais à tous mes clients, mais je le faisais pas tant que ça. Puis en faisant un reset, je l'ai vraiment fait. J'ai médité tous les jours pendant 4 mois, ou presque. Là. Ouais. Peut-être quelques jours, non, là, en vacances. C'est sûr que juste ça change la vie. Ça change. Puis moi, je suis une personne... je suis très passionnée, je suis très active, je suis proactive, tu sais, j'ai beaucoup d'énergie. Fait que le fait d'apprendre à me déposer, c'était plus que nécessaire. Puis en même temps, mais c'est mal fait parce que souvent, ce qu'on sait qu'on a de besoin, on le fait pas. Fait que moi, clairement, c'était comme, aller méditer, tu sais, voir que ça va vraiment me rendre plus, encore plus d'énergie, puis ça. Puis ça a changé tellement de choses dans ma vie. Tellement qu'à cette heure, ben c'est ça. Une des choses que je fais maintenant, c'est que là, tu vois, je suis allée au Labrador 2 fois enseigner la méditation, la cohérence cardiaque dans les écoles avec les gens là-bas. Hier, j'étais en rencontre avec une autre école ici, qui est l'école où mes 2 enfants ils vont, avec la directrice qui m'a demandé d'enseigner à tous les groupes, donc de maternelle à 6e année. Alléluia! Ça, c'est hot, ça! Puis, tu sais, je le fais comme un... Au départ, c'était vraiment un don de soi. Là. Moi, c'était vraiment comme un appel de dire « OK, je le fais, c'est ma contribution à moi dans ma communauté. » Parce que je crois beaucoup à ça aussi. Je crois que c'est extra. Tu sais, moi, dans ma vie personnelle, à moi, je suis en gratitude parce que vraiment, je suis dans une forme d'abondance. Je suis bien, ça va bien, ma clientèle. Je suis en couple depuis 16 ans, j'ai 2 enfants en santé. Tu sais, je considère que j'ai une belle gratitude, une belle vie, OK? Ça n'empêche pas que je vis un paquet de contractions, que je vis plein de défis dans mon quotidien pour plein de raisons. Mais ça fait aussi partie de moi, de mon côté, d'avoir envie aussi d'être dans des échanges puis d'être aussi dans le don de soi un peu à quelque part là-dedans. Ouais. Fait que l'école, ça m'a amené ça. J'ai un projet aussi de venir partir un groupe de discussion gratuitement dans un centre de retraite ici qu'on a à l'Assomption. Je suis en pour parler, de venir dire, ben moi, comme thérapeute holistique, j'ai envie de donner 1 heure ou 2 par semaine ou par mois pour que les gens viennent juste échanger, ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que pour moi, le développement personnel, tout ça, tu sais, je comprends qu'on n'a pas tout le temps les moyens. Puis en même temps, ben il faut quand même que je gagne ma vie. Fait que je peux pas tout faire gratuitement, mais c'est comme ma manière à moi aussi d'aller chercher ce petit côté-là. De mettre un sens à ce que tu fais ou tout ça. Et toi, tu es thérapeute dans la vie. Est-ce que c'est venu changer ta façon d'accompagner le monde autour de qui viennent te voir? My God! Moi, je considère que je suis plus maintenant dans le domaine du coaching, dans le sens où j'ai une approche qui est beaucoup plus motivationnelle, beaucoup plus positive, beaucoup plus dans l'action que dans gratter le bobo, pleurer, tu sais, je sais pas comment dire ça, puis je veux pas non plus apporter un jugement, là, mais je trouve que ça m'a amené de manière plus... OK, on va regarder qu'est-ce que ça te fait vivre en pleine conscience, c'est quoi les blessures qui sont là, tout ça, ce que j'avais déjà, mais... Là, ça m'a amené d'une manière un peu plus positive. Je trouve que c'est plus... Puis aussi, détachée. Je me sens plus détachée de ce que les autres vivent, de ma clientèle. Aussi, hein? Je me sens moins envahie parce que, veux pas, tu sais, on entend des choses. Il y a réellement des gens qui sont dans des souffrances. Tu sais, c'est pas tout le temps facile au quotidien, mais moi, je trouve que ça m'a amené beaucoup de détachement. C'est sûr que par le fait même, moi, je t'envoyais un paquet de monde parce que je suis comme... Je fais des petits bouts avec vous autres, mais en même temps, tu sais, toi, tu vas donner dans une échelle plus large que moi, je peux faire dans le 1 à 1. Et c'est super important de comprendre ça parce que on est tous utiles, on est tous interreliés. Puis dans le meilleur des mondes, c'est qu'on vient comprendre les grands fondamentaux, on vient les répéter. Mais après ça, même après avoir fait un reset ou quoi que ce soit, quelqu'un d'intelligent, aligné, il va comprendre qu'il est conscient, surtout, il va comprendre qu'il va vivre des contractions, il va vivre des expansions encore, et de temps en temps, il va avoir besoin d'être accompagné. Oui. Par un psy, par un coach, par un thérapeute, par quelqu'un qui va faire un traitement énergétique. Ça fait partie du process. On est constamment en évolution. Et quand tu parles à quelqu'un qui a cette même connaissance, les mêmes compréhensions, c'est beaucoup plus facile d'accompagner des gens qui ont la compréhension, notamment du reset, entre autres, là. Vraiment, puis j'attire une autre type de clientèle aussi. Ben oui. J'ai remarqué, là, tu sais, c'est clair, là, je le vois dans mes dossiers, c'est un autre genre de personne qui, en tout cas, c'est ça, je vis quand même en conscience depuis un petit bout, mais j'aimerais ça aussi juste dire une chose que, bien humblement, puis peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Moi, au début, le reset, j'ai vraiment hésité, là, tu sais, comme je me suis inscrite à 00:15, là, tu sais, à la fin. Puis j'avais quand même un petit jugement par rapport à ça. Je me disais, j'en ai-tu vraiment besoin, tu sais? Puis pourquoi est-ce que... Tu sais, j'ai-tu vraiment besoin d'être accompagnée par la main, tu sais, pour apprendre des choses? Puis, tu sais, je vais-tu vraiment le faire? Puis, tu sais, je me questionnais sur la pertinence. Puis, honnêtement, je me suis rendu compte que ça fait tellement du bien d'avoir un cadre, d'avoir... des modules, des vidéos, des exercices à faire. Moi, l'agenda, je me disais, je le ferai pas. Ah non, je l'ai fait. Puis ça fait partie de l'introspection, d'apprendre à se connaître. Tu sais, je pensais que je me connaissais bien, mais Colin, j'ai encore appris plein d'affaires sur moi. Ben oui. Parce que tu le nommes d'une autre manière, parce que tu es un bon vulgarisateur, parce que pour plein de raisons. Puis moi, après ça, ben, ces outils-là, ben oui, je les partage moi aussi parce que ça fait partie de mon travail. Fait que la bonne nouvelle se partage, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est drôle à dire, mais c'est ça. En fait, c'est ça qu'on veut. C'est ça l'essence première. Tu sais, souvent, les gens vont dire, mais là, François, veux pas, je te suis depuis un bon bout, t'es dans mes enseignements et tout ça, je peux-tu prendre? Oui, tu peux tout prendre. Le but, c'est d'avoir un impact sur les autres. Moi, de t'entendre, de dire, ça a changé ma clientèle, change ma vie. Moi, c'est comme, c'est ça ma paye, c'est ça notre plus grande reconnaissance. Comme toi, quand tu vas avoir un client qui va venir te voir, tu le vois se transformer. C'est là notre reconnaissance. Parce que quand on marche ce terrain-là, quelque part, il y a une partie de nous qui a envie de changer le monde. Ah, écoute, puis cette fibre-là, j'ai un journal intime là, que j'ai retrouvé, j'ai 7-8 ans, et j'écris textuellement que mon but dans la vie, c'est d'amener la paix sur la Terre et de changer le monde. C'était là depuis le début. Moi, j'ai fait des voyages humanitaires, c'est là depuis le début. J'ai cette fibre-là dans de moi. Et pour moi, c'est ça Ubuntu aussi, en partie. C'est comme de venir m'associer à des gens qui ont cette fibre-là aussi, ça fait du bien. Parce que oui, des fois, on se sent un peu intrus ou pas nécessairement... En tout cas, moi, j'ai passé par cette phase-là, de pas se sentir nécessairement compris, tout ça. Mais là, je suis ailleurs, puis ça m'a amené plein de choses. Là. Et ça change plein de choses. Tu sais, si tu es dans un écosystème de gens qui, comme Denise, elle a dit tout à l'heure, des éveilleurs de conscience, sans se prendre au sérieux, mais qui ont envie d'emmener ce changement-là, qui parlent le même langage du monde parce qu'ils ont marché un même process, mais qui ne démontrent pas d'être parvenus avec, tu sais, tout, voici qu'est-ce que j'ai fait comme, tu sais, comme travail, qui ne démontrent pas d'être parvenus, mais plutôt... voici qui je suis. Oui, j'ai mes certificats. Oui, j'ai fait telle formation. Mais Colin, il y a encore quelque chose que je suis en train de prendre. De se libérer ensemble, c'est tellement, tellement, tellement puissant. Ça change tout. Est-ce que, là, on parle de ta clientèle, de ta vie perso, mais est-ce que dans la vie de ton couple ou de tes enfants, ça a eu un impact, tout ça? Ah oui, je m'en allais là parce que, assurément, ça a eu un impact gigantesque. Ben, premièrement, mes enfants, ils te connaissent maintenant, tu sais. Je m'aime et je suis fière de moi. Ça fait partie de leur quotidien. Je pense qu'ils m'ont vue aussi comme maman changer. Ça m'a fait un grand bien. J'étais une personne... je me suis rendue compte que j'étais très, très rigide quand même dans ma manière d'être, de faire. Ça m'a amené une plus grande souplesse, flexibilité. Je me pogne moins avec les enfants. On est capable de se parler. Dans mon couple aussi, on a des gros défis. Moi, j'ai un conjoint qui est pratiquement parti, là, comme vraiment souvent. Fait que je me considère depuis 2 ans, là, 2 ans et demi à peu près, une genre de monoparentale, disons, là, sans avoir les soucis financiers qui sont avec, là. Mais je veux dire... amène son lot de défis. Oui, un bon défi qui m'a amené beaucoup dans une blessure d'injustice, là, de « Ah, lui, il vit bien des belles affaires, puis moi, je suis à la maison, puis j'ai plein de responsabilités, puis ouf! » Mais là, ça s'est transformé en d'autres choses, puis je suis en train de voir ma place à moi là-dedans. Wow! Puis concrètement, dans ce que je magnétise, il y a un paquet de nouvelles affaires qui arrivent, parce que c'est là où je me rends compte que j'intègre plus qu'avant. C'est que là, au lieu de juste être dans la connaissance, j'applique le « OK, Alex, tout change. OK, là, t'es dans quelque chose. T'es dans une contraction. On accepte ça. OK. » Tu sais, je me parle, puis mon chum, ben il te connaît un peu aussi parce qu'il en entend parler. Des fois, il regarde un peu des vidéos. Puis, tu sais, il voit là, qu'il y a des affaires qui ont changé. Mes enfants aussi, on a installé un coin à la maison avec un coussin de méditation. On fait des respirations. Tu sais, mon fils, l'autre fois, « Maman, tu te dis, là, tout change, là. Fait que là, accepte que là, t'as le rhume, puis c'est pas grave, puis ça va changer. » À Noël, si je me trompe pas, au jour de l'an, c'était tellement beau, ça. Là, j'étais comme, OK, fait que là, c'est rendu mon petit bonhomme de 9 ans qui me ramène dans ce que moi-même, j'y enseigne. Ouais. J'enseigne qu'il y a quelque chose, là, qui s'installe. Regarde, j'ai envie de bonifier juste un message que j'ai reçu hier, OK? Parce que souvent, on en a entendu beaucoup dans les dernières vidéos que Quand on change, ça a un impact considérable sur nos enfants, sans qu'on leur dise « tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Mais plutôt en changeant soi-même, on a un impact sur nos enfants. C'est Mélanie qui m'a envoyé ce message-là hier. Mélanie qui a fait plusieurs resets avec moi, qui a fait Focus, une retraite. Et présentement, elle avait des choix à faire, elle n'est pas dans la prochaine aventure Reset. Et c'est OK, ça fait partie de la game. Et elle a écrit « Allô, je voulais t'écrire ». Ça, quand l'événement est arrivé, mais je ne l'ai pas fait et après, j'ai laissé tomber. Mais de voir le témoignage de Hugo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Hugo, c'est lui qui a joué du piano il y a 18 ans dans une des premières vidéos qu'on a fait. Avec Hugo et sa mère, ça me donnait le goût de te raconter. Écoutez bien ça. À peu près 1 mois après que mes abonnements avec toi soient terminés, donc Mélanie me suivait genre depuis 1 an dans les formations, Anna-Ève, c'est sa fille, m'a dit « Maman, on dirait que je te vois moins écouter des vidéos de François. » Je lui ai donc expliqué que mes abonnements étaient terminés et que papa et moi, on avait beaucoup de dépenses qui s'en venaient et on avait dû faire des choix d'arrêter pour le moment. Que ce n'était pas grave parce qu'on avait déjà beaucoup d'outils et qu'on allait en profiter pour se pratiquer et les mettre en pratique. Puis, elle m'a regardé avec les yeux du désespoir et elle m'a dit « Mais maman, je ne veux pas que tu arrêtes de l'écouter, moi. » Je vais tout garder mon argent de Crunchy. Crunchy, c'est quand elle sort le chien. Et je vais le payer. Trop cute. L'impact collectif positif chez nos enfants est bien réel, même à seulement 8 ans. Et c'est tellement ça. Ouais. C'est ça, un éveilleur de conscience qui va comprendre. C'est comme, c'est pas, je vais prendre les outils, mon enfant ou mon mari, il faut que tu l'écoutes. Je vais prendre les outils. Ça se peut que dans ma systémique, il y ait des challenges. Mm-hmm. Je vais apprendre à prendre ma responsabilité. Ça, c'est un moment, un enseignement qui est très difficile. Je vais venir me nettoyer en cours de route parce que croyez-moi qu'on va faire l'expérience de zone d'ombre de temps en temps. Je vais venir purifier et par cause à effet, c'est clair, je vais avoir des changements à l'extérieur. C'est fou. C'est fou. Puis vraiment, là, moi, je me suis rendu compte, j'avais beaucoup de résistance. Je me la jouais dure, la vie. Puis là, j'ai décidé d'être plus flexible, d'être plus souple avec moi, automatiquement avec eux, puis automatiquement, notre relation, elle a changé, là. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. Puis avec mon chum aussi, là, je suis beaucoup moins rigide, je pense que j'ai une... Ouais, ah non, écoute, François, oui, on pourrait en parler longtemps, mais mes enfants, c'est extraordinaire, qu'est-ce que ça apporte. Puis, et ça, je le savais, dans les informations, dans mes connaissances, je savais que ça part souvent du parent, dans le sens où ce que l'enfant porte, ça part quand même du parent. Ouais. Mais là, je l'ai mis. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te... Parce que c'est un autre challenge, la maman, ça, et de la thérapeute aussi, d'arriver à te détacher des challenges et des souffrances de tes enfants? Oui, beaucoup plus. Et j'ai vu que ça a baissé beaucoup le niveau d'anxiété de mon fils et de ma fille. C'est comme d'arrêter de trop mettre... Tu sais, quand on dit ça sur quoi tu mets ton attention, prendre l'ampleur, là. Exact. Bien, tranquillement, de juste relâcher et dire, bien, c'est OK parce que il est en train d'apprendre des choses. Dans son niveau d'évolution, de maturité d'enfant, il est là. Il faut que je me détache de ça. Il vit quelque chose. Moi aussi, j'ai vécu des affaires. Fait que de pas tout le temps non plus être la thérapeute qui va essayer de régler le problème. Ouais. D'être juste là, OK, Alex, laisse aller, lâche prise. C'est des choses qui arrivent. Il va pas mourir. Il s'est fait éclairer. Ben oui, on va en parler, mais on va pas mettre l'accent là-dessus. On va... Tu sais, de laisser couler les choses, de pas voir des problèmes partout, de pas... Ça, c'est gros. Puis avec mon chum aussi, avec des amis, avec, tu sais, de pas... Souvent, en tout cas, quand on est en relation d'aide, on veut tout régler, tu sais. Ouais. Puis en vrai, c'est comme, on peut-tu pas tout régler, puis juste accepter que c'est des phases, c'est des cycles, c'est des contractions, ça passe, ça revient. S'il y a un réel problème, là, on va le savoir, on va le prendre en compte. C'est ça, exact. Fait que de me détacher, oui, plus. Ah ouais. Mes parents, ma famille, des affaires. Et est-ce que tes comportements, tes choix et tout ça, souvent, tu vas les prendre en considération de l'énergie? Oui. Tu sais, les aptitudes que tu vas avoir, tu vas penser derrière à ta lumière, à l'énergie qui est déployée. Est-ce que tu penses souvent à ça? Oui, puis on dirait que j'essaie. Tu sais, c'est pas parfait, hein, on sait, là. Mais non, on s'entend. C'est pas process. C'est ça. Je trouve que j'essaie d'accepter. Comme là, ces temps-ci, je suis plus dans un mode... sédentaire, là, tu sais, il se passe pas grand-chose. Puis moi, d'habitude, je graphine, là, tu sais, quand il se passe pas grand-chose, là, j'aime pas ça, tu sais. Mais là, c'est comme si je me vois aller, puis j'accepte un petit peu plus, là, l'hiver, janvier. Pour moi, c'est plus calme, j'ai moins de clients, il se passe moins de choses, j'ai moins de défis à relever. Puis en même temps, c'est comme si OK, je vais faire du ski, je vais aller faire ça, je me dépose, je lis, tu sais. Mais j'accepte plus. C'est plus en harmonie avec la vie. Oui! C'est ça, c'est comme s'il y a un flow. Tantôt, je te voyais aller et tu me disais, je veux pas trop vous parler, je veux que... Tu sais, y aller avec le flow. C'est tellement ça que je suis en train d'apprendre, tu sais. L'ancienne version d'Alexandra, est-ce que ça lui faisait peur, le flow, le manque de structure de toutes ces affaires-là? Eh oui. T'sais, on peut mettre plein de mots en dessous de ça, là, anxiété, besoin de contrôle. Écoute, il y en a des mythes, là. Mais oui, là, j'apprends à être plus... souple, que ce soit même dans l'alimentation, dans mon rythme de vie, dans ma routine, dans les enfants, dans leurs réactions, dans « Hey, pourquoi tu fais une crise là? Là, c'est pas le temps. » Ben, j'ai pas à contrôler ça, là. Il vit quelque chose là, on va l'accepter. Puis... Mais je vais accepter que ça gâche pas ma soirée. Je suis capable de me détacher. Je suis capable de garder mon contrôle là-dessus. Tu es plus responsable de ta paix intérieure. Puis tu as les outils pour la gérer. Puis si tu l'échappes, ben, tu vas apprendre à accueillir, tu vas voir la contraction, tu vas vivre en harmonie avec ton évolution, ta vie, tout ça. Tu es très inspirante, Alexandra, vraiment. Et moi, quand j'entends ça, encore une fois, je me répète, mais moi j'aime ça savoir qu'il y a d'autres coachs, d'autres thérapeutes qui travaillent dans cette direction-là, mais non seulement qui travaillent, qui veulent aider les gens, mais qui marchent le terrain et qui l'incarnent. Ouais. Tu sais, des fois, te voir emmener une vidéo et dire « là, je suis dans une contraction, il se passe telle chose ». Mais ça, le coach, le thérapeute, il a besoin d'être dans sa vulnérabilité parce que sinon, j'ai des diplômes. Je peux pas me permettre d'être vrai. Je peux pas me permettre d'être incohérent. Non, t'as peu. Je suis aussi un être humain d'abord et avant tout. Puis plus qu'on marche le terrain, plus qu'on l'incarne, plus qu'on se transforme, plus qu'on peut accompagner, que ce soit nos enfants, les gens autour de nous, nos clients, de la bonne façon. Oui, et je trouve que c'est une qualité que tu as beaucoup, François. Puis je te le dis pas pour te flatter dans le sens du poil, je te le dis parce que je trouve vraiment que c'est une qualité que tu as, toi, d'être dans, de rester dans l'humilité, de rester dans ton authenticité, de venir dire « Je suis pas mieux que vous autres, moi aussi je vis des affaires », puis que dans tes contractions à toi, tu nous l'apportes à nous, qui nous fait prendre des prises de conscience sur nous. Fait que finalement, nos contractions, notre vulnérabilité nous amène à faire écho dans plein de monde. Exact. Ça, pour moi, c'est ça la différence entre, on va dire ça comme ça, là, suivre quelqu'un, suivre un gourou ou être inspiré par quelqu'un. Oui, c'est ça. Exact. Et c'est là où, pour moi, ça reste des échanges. C'est pas... et ça, c'est une grande force, je trouve, que tu as. Et c'est ça qui m'a inspirée parce que moi, ma valeur première que j'ai découverte dans Reset, ma première valeur, c'est liberté. Ouais. Et donc, moi, je me suis sentie libre, totalement, de participer ou pas, de faire des vidéos ou pas, et ça, vraiment, c'est ça. C'est wow. Mais c'est ça l'essence d'Ubuntu, hein? Je suis parce que nous sommes et non, il y en a un qui enseigne en haut, c'est qu'on est tous pareils. Et moi, ça me stimule énormément. C'est pas dire je vais vendre un nouveau reset, mais plutôt dire oh, on accueille quelqu'un d'autre dans cette communauté-là qui décide de prendre la responsabilité, de tourner le regard vers eux, apprendre à se connaître, Colin. C'est ça la clé, apprendre à se connaître. On est qui, on est fait de quoi. Puis après ça, apprendre à se purifier pour manifester une vie qui est pleine de sens et de conscience. Puis après ça, trouver une grande famille de gens qui pensent comme nous, qui nous soutiennent. Ça change une vie, littéralement. Bravo, Alexandra. Je peux faire quoi que ce soit pour t'aider de ton côté. Hein, on est tous en train de faire la même chose, puis tu m'inspires énormément. Et j'espère que tu es consciente de ta lumière, parce que tu es très lumineuse, mon ami. Merci. Vraiment. Merci, merci. Est-ce qu'il me reste une personne? Je ne me rappelle plus s'il me reste une personne. Je pense que j'ai passé tout le monde. Oh non, il me reste Martine! Oh, Martine! Est-ce que tu es inspirée, Martine, d'entendre Alexandra et tout juste avant de lire? Honnêtement. Puis en plus, c'est que pendant qu'il parlait, c'était le challenge de j'ai deux écrans. On se parle sur mon téléphone, mais je les écoute sur mon ordinateur. C'est comme. Mais c'est incroyable. Moi, ben, c'est croyable, dans le fond, c'est ça. Ouais. Toi, tu vois ces transformations-là de près parce que tu vois tous les témoignages qu'on a à l'interne parce que tu es dans notre équipe, on est toujours ensemble. Tout ce que vous voyez sur le web, mes pages, mon branding, de tout. Le tout est toujours parfait. Ça ici, c'est l'écriture de Martine. Elle est dans tout, en fait. Elle joue avec ma photo. Elle enlève les boutons sur mon nez. Elle me rajoute des cheveux. Elle me met des abdos. Bref, elle fait tout ce qu'elle veut avec moi. Et mais bref, c'est une amie, mais c'est aussi quelqu'un qui, non seulement travaille dans le Happy Team, mais toute mon équipe, c'est la même chose, incarne, implique les enseignements. Et c'est pas d'être parvenu, c'est comme, même dans notre équipe de travail, de temps en temps, on a du monde avec un besoin de contrôle, d'autres avec de l'injustice solide, d'autres qui vivent de l'humiliation, d'autres que je les oublie, d'autres que... Et ça vient travailler, puis on vient se libérer ensemble au travers de tout ça. C'est quoi, Martine, la différence de Martine il y a 5 ans, hein, quand tu es rentrée dans l'univers de François? On s'entend quand on a fait du chemin, j'ai fait du chemin énormément, et aujourd'hui, en fait. Écoute, quand on s'est rencontrés, j'étais en suivi en psychiatrie à l'hôpital Louis-H. Et ça faisait presque 1 an, je pense. Et la différence, c'est que j'en ai eu des suivis dans ma vie, là. J'en ai eu des thérapies. Et là, ça, comme ce qui manquait à ça, je l'ai trouvé avec toi. Je l'ai trouvé avec ta façon d'enseigner et c'est comme ça que j'ai pu l'intégrer. Puis quand elle parlait à Alexandra de l'intégrer, mais c'est vraiment ça parce que même quand j'avais mon suivi avec la psychologue, elle disait « Vous êtes super intelligente ». Mais ça peut être dans le fond, un piège. Ouais. Parce qu'on reste pris dans analyser. Ouais. Et dans la surface d'un certain sens. Puis j'ai passé ma vie à être dissociée de mon corps pendant un bon bout de temps. Et là, je vivre le moment présent, même, c'est même plus loin que ça. C'était... je le vivais pas. J'étais en fonction. Je comprenais pas ce qui se passait, en fait, là. Non, j'étais en fonction, puis, j'ai pas appris, puis personne, techniquement, on n'a pas appris ça de juste être, puis que c'est correct. C'est ça qui est important. Ouais. On a appris à faire pour être. Ouais. Avais-tu l'impression, Martine, à ce moment-là, d'être brisée? Hein? Brisée, oui. Longtemps, j'ai été... C'est pour ça que maintenant, j'apprends à recevoir. À quelque part, ça a tout un lien. Ouais. Les gens pensaient que j'avais une super grosse confiance en moi parce que j'étais directrice de production, directrice artistique. J'emmenais large, là. Mais mon estime, j'en avais pas. Ouais. Je ne connaissais pas ma valeur, je m'en donnais pas. Puis je le savais pas, là. C'était tout inconsciemment, consciemment mélangé que j'avançais dans ma vie et je faisais des choix en conséquence. Mais j'avais... Tu sais, le feu qu'on parle, là, comme Denise parlait, là, j'ai un feu! Elle dit ça des fois. Mais c'est ça, c'est toujours là. Puis dans les moments les plus sombres, c'est là que il y a quelque chose à quelque part qui... La vie est subtile, hein? Fait que tu vois, quand on s'est rencontrés, ça faisait 1 an que j'étais en suivi, et c'est drôle, je suis quelqu'un qui ne réseaute pas. J'avais commencé avec mon petit baluchon d'expérience, je me dis, m'en offrir ce que je suis et ce que je veux amener au Walt Disney à tout le monde. Ouais. Et j'ai fini un soir à Inspire-toi, à t'entendre, j'ai dit, mais il faut amener ça aux enfants. C'est comme ça. Moi, ce qui m'a manqué, je l'entendais. Oui, c'est ça. Et je le sentais. Ce que tu sentais dans ton monde imaginaire, en fait, hein, parce que tu penses en images, toi. Donc, dans ton monde imaginaire, tu as vu un clown, hein, éveilleur de conscience sur une scène, tu as dit, c'est vrai de ça. C'est ça que je veux emmener. Ça a été ta guidance, ça a été ton idée au début, ça. Bien, imagine, en plus, dans ce temps-là, tu étais moins en avant, tu mettais beaucoup de gens en lumière. Ben oui, tu n'es pas connu presque. Quand tu parlais et la façon que tu apportais tout ça, ben là, ça vibrait tellement fort, c'est fou. Ouais. Et ça va faire 5 ans. On est dans notre 5e année et ça ne fait que... Ouais. Tu sais, j'ai pris une décision, genre, on a commencé Coco, puis un peu après, je t'ai dit, moi, je veux pas avoir de la quantité, je veux de la qualité. Fait que je mise ensemble à bâtir. Fait que pour moi, à cette heure, depuis que j'ai décidé de me choisir réellement à voilà, 5 ans, dans le fond, ça a fait ça. Quand je me suis choisie pour moi, parce que j'étais dans mon 3e burn-out, là, on s'entend, là. Il y a quelque chose que je... Mais à chaque fois que je tombais, c'était par réaction, cause à effet, là. Oui, puis c'était l'ignorance de qui tu étais aussi, même si tu te faisais suivre, mais c'est de l'ignorance aussi, là. Mais je voulais pas me voir, dans le fond. Non, c'est ça. Parce que pour moi, j'existais pas vraiment, puis ce que je pensais qui existait, c'était pas bon. Ouais, t'étais brisé. C'est comme je fais défaut par rapport à la société, par rapport à tout ce qui se passe. C'est lourd. J'en voulais pas à personne. Là. Non, c'est pas ton style, ça, de toute façon. Je me faisais dessus. En plus, elle est tellement amour. Tu sais, elle est tellement amour, mais par rapport à elle, elle se détruisait. Mais t'étais amour, tu veux pas déplaire à personne, tu veux que, tu sais... Et ça, c'est une grande qualité que t'as aujourd'hui. C'est juste que la différence, en plus, aujourd'hui... c'est que tu es fier de toi, tu t'aimes, tu as des lumières dans tes yeux, tu sais, puis... Mais ce que j'ai entendu quand tu as partagé ton message, Martine, là, c'est qu'à Inspire-toi, quand tu es venue, on se connaissait pas du tout. Et tu m'as vu sur la scène, et là, tu as probablement dit « Quel beau bonhomme! » N'importe quoi, hein? Mais en même temps, c'est que tu as vibré, peu importe, tu as vibré à entendre un message qui était là. Et ça, la gang, là, dans le Reset, j'y reviens tellement, là. C'est ça qu'on doit suivre. C'est simple. Le chemin, après, on n'en a aucune idée. Mais si tu vibres à une autre, on va enlever François, à une qualité vibratoire, une masse de particules qu'on appelle François, si tu vibres à cette masse de particules-là, ça veut dire que ta vérité doit marcher dans cette direction-là. C'est pour ça que souvent, je vais vous dire, la seule chose qui est importante, ferme les yeux, regarde dans dedans de toi, si ça fait ça, on est porté, on est guidé. Le GPS intérieur à l'intérieur de nous, on y parle tout le temps. Et là, Martine, tu as osé, c'est toi qui m'as appelé, tu as osé dire faire un acte de foi et recogner encore une fois avant que je te réponde. Et suite à ça, on a marché ensemble le terrain et il y a eu plein de guérisons, plein de libérations, plein de transformations dans dans qui tu es, mais aussi dans ta façon de percevoir la vie. Parce que les contractions, ça se termine pas, ça, hein, je pense? Mais non! Et même, je te dirais que je pense que t'es vie encore plus. Mais c'est ça, c'est tellement fort. Écoute, la vibration, tu sais, c'était déjà là parce que ce que je faisais, j'aimais. Mais quand j'ai tombé dans le dernier burn-out, disons, je pensais que j'aimais plus ce que je faisais. J'avais... Fait que quand on s'est connus, j'étais en reconnexion doucement. Puis quand je t'ai vu, ça a fait... Fait que les contractions, là, je les voyais. J'ai commencé à voir. Ouais. Voir alentour et non pas juste me renfermer dans... m'accrocher à mon petit monde à moi parce qu'à un moment donné, il s'est épuisé. Parce que je le vivais pas assez à l'extérieur. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai une très grande imagination. Écoute, une banane, ça a une vie en soi, là, pour moi, là. C'est ça, puis... Mais j'ai appris à canaliser, donc, à cette heure. La différence, c'est que je respire. J'ai appris à respirer. Je respire, puis je prends un recul, puis là, je suis capable de réagir en fonction de ce que je veux vraiment. C'est la grosse différence. Je sais même pas ce qu'on va faire la semaine prochaine, puis je suis super bien là-dedans, là. J'ai aucun stress. Parce qu'aujourd'hui, tu fais un acte de foi, tu t'as vu qu'on est constamment comme ça, et c'est ça aussi, d'avoir une bonne compréhension des enseignements. C'est de dire, j'ai pas besoin de tout contrôler mon environnement pour retrouver la paix. Hein, c'est à l'opposé. Je dois trouver ma paix intérieure et mon environnement va se placer. Oui. Quand on fait de l'anxiété, on veut contrôler l'environnement pour trouver la paix, mais on ne la trouvera jamais. Ah, puis en plus, tu parles à quelqu'un que j'en fais encore de l'anxiété, puis j'en ai fait beaucoup. J'ai même fait des crises de panique, j'ai été hospitalisée. J'ai 4 enfants. Tu sais, il y a plein de choses là-dedans. Et maintenant, quand je vis des anxiétés, c'est plus au niveau... Ça a toujours été plus au niveau de la santé, de la mort. Je suis en train de tout déballer ça, là. C'est incroyable, là, depuis les derniers mois, là. Intéressant, hein? Tu veux-tu nous ouvrir un peu la parenthèse de qu'est-ce qui peut s'être passé? Qui c'est comme, merde, vas-tu vraiment là? Parce qu'en fait, il y a des choses dans la vie qu'on n'arrivera pas à contrôler. On peut juste contrôler nos pensées, notre discours intérieur, hein? La séquence qui se passe, hein? Notre attention sur ce qu'on va mettre. Avec, en fait, ça ici, Martine, t'as dit ça, toi? On va dire, tout le monde, t'as en tête notre photo à la lune, allez, que t'es belle! Mais en même temps, c'est quand on l'échappe qu'on apprend à se maîtriser aussi. Oui. Donc, dans les derniers temps, t'as eu différentes nouvelles qui se sont présentées à toi. Écoute, j'en ai vécu des choses avec mes enfants, tout ça, puis celle-là, ben, là, c'est à moi. Vraiment, au niveau santé, oui, j'ai une maladie cardiaque qui s'est prononcée, genre, là, 4 ans. Mais, puis voilà 1 an, j'ai eu une coronographie, puis j'ai une artère de bloquée, mais je te dirais que là, en juillet, dans le fond, j'ai su officiellement que j'avais un cancer. Et ce processus-là, ça a été plein de remous. Ça a été moi, dans me faire de la place pour accueillir ce qui se passe, puis tasser les autres et leurs réactions et leurs besoins. Et... Quand tu es habitué d'être quelqu'un, justement, qui donne tout le temps, et puis là, qui fait « Non, ça t'appartient. Moi, je veux vivre ça comme j'ai besoin de le faire. » Ouais. Je me suis choisie d'aplomb, là. Ouais. Et c'est pas un... C'est pas naturel pour toi, ça. Non, mais en même temps, ça l'est devenu pendant le process. Oui, parce que c'est ton amour. T'es tellement ça. En fait, t'as bien fait de me reprendre. Tu es tellement ça naturel de carer, de prendre soin du monde, que là, tu as juste eu besoin de tourner vers toi. Oui, ça fait comme... Martine, là, je vais en prendre soin de Martine. Bien, ce qui m'a resté beaucoup, c'est la phrase, bien, ce que tu as commencé à parler dans le Reset, c'était de créer l'environnement le meilleur, puis le reste, puis de focuser sur ce qui est, tu sais, ce qu'on veut, ce qui est dans le positif. Écoute, ça a été... J'ai vécu une passe de ma vie, peut-être, qui semble la plus difficile à l'œil de plusieurs, puis même de la mienne, du coup. Parce que quand tu dis cancer, c'est un gros mot. La première perception, ça fait vraiment peur. Oui. Et dans tout ça, j'ai été chanceuse. Moi, je suis capable de voir la beauté dans ça parce que j'ai eu un cancer qui était doux. Fait que dans une contraction qui semble énorme, j'ai eu de la chance et je suis capable de l'avoir. Puis je suis capable de tu sais, à quelque part, on dit chance, mais c'est plutôt la vie m'a mis ça dans mon assiette. Ouais. Et tu sais, quand tu sais pas c'est quoi exactement ce qui se passe, puis t'attends des réponses, puis qu'on dit qu'il peut avoir un cancer, puis que là, ça prend 8 semaines avant que tu l'aies. Pendant ce temps-là, il se passe bien des choses. Qu'est-ce que tu fais avec ces résultats-là? Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on te dit? Puis comment tu vis ta vie pendant ce temps-là? Et les enfants, qu'est-ce que tu fais? Oui. Parce que là, il y a plein de pensées, hein? Oui. Si je suis pas là demain matin, mon homme avec les enfants, comment ils vont vivre ça? Oh my God, je ne veux pas partir, je suis une bonne personne. Puis... ouais. C'est là qu'on va apprendre à se gérer autour de tout ça. Est-ce que ça t'a aidé, tous ces enseignements-là? Ah, énormément. C'est comme... C'est incroyable. Oui, j'ai eu des... Je me suis permis... Ah, c'est des choses que je faisais pas avant, d'être fâchée. Je me suis permis d'être triste. Puis le fait que je me suis permis de l'être au moment où ce que ça montait, bien, ça durait pas des jours. Ça durait le moment. Dans le temps, j'aurais eu une émotion, je l'aurais pas gérée, je l'aurais repoussée et j'aurais filé mal pendant des mois. Tu aurais fait à semblant du déni, en fait, que pas grave, c'est correct, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Puis à un moment donné, j'aurais fait... Ouais, exact. Pas savoir pourquoi je me sens mal nécessairement parce qu'il y aurait trop d'accumulation. Là, c'est comme, bon, j'ai goût de pleurer, ça sort tout seul, puis je le laisse aller. Ouais. Il y a beaucoup de libération parce que je me donne le temps d'être dans la contraction. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un gros morceau que... Quand tu vis tout le temps que tu touches pas trop, écoute, avant, je t'en avais parlé, quand je serrais mes enfants, je sentais pas totalement un câlin parce que la peur de perdre était là. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vivais pas pleinement, en fait, là. Oui. C'était comme une coupure que tu t'étais faite pour pas trop souffrir. Pour me protéger parce que j'ai vécu des choses dans mon passé puis je traînais ça inconsciemment. Exact. Puis là, j'ai défait plusieurs choses. Fait que je te dirais que pour quelqu'un qui a fait beaucoup d'anxiété et des crises de panique, le 11 septembre, je me suis fait opérer et c'est la fois, puis j'aime pas les hôpitaux, puis j'aime pas les piqûres, je suis comme là. Mais c'est la fois la plus zen que j'ai vécue à une intervention assez grosse, parce que c'était une de mes plus grosses pour moi à date, ouais, d'opération, d'enlever une glande au complet, la glande thyroïde. Puis oui, en juillet, j'ai su que c'était cancéreux, puis là, comment divulguer ça? J'ai eu à me faire de la place. Et ça, c'est gros pour moi de me faire de la place. Oui, parce qu'en fait, maman, papa, frère, sœur, oncle, cousin, cousine, les amis, tout le monde a leur perception de ça, puis qui peuvent tous transférer leur peur, leurs insécurités. Et déjà là, toi, juste à gérer les tiennes, c'est un challenge. Donc, c'est ça c'était ça aussi ton challenge. Ah, c'est beau. C'était beau. Dans le fond, là, honnêtement, j'étais tellement dans... C'est comme si... OK, ben j'ai eu des enfants, je peux te dire, c'est comme si tu étais en gestation, puis c'était pour accoucher. Puis là, tu as à cultiver, à nourrir ce qu'il faut qu'il sorte. Ouais. Puis là, tu te concentres que là-dessus et vivre. Et je voulais vivre ça dans une façon que je vais guérir et non mourir. Et ça, c'est toute la différence. Toute la différence. Fait que mon entourage que j'ai semé m'a donné. Ouais. J'ai reçu une chanson de... Tu sais, on se connaît pas beaucoup. Lucas, il a fait une chanson, puis il l'a fait sur le groupe Ubuntu, dans un moment où ça faisait peut-être 3-4 jours que je venais de savoir, puis je n'avais parlé un petit peu, mais tu sais, j'ai reçu une chanson, puis ça sortait tout seul, les larmes, parce que des fois, même ton entourage, tu sais, mon conjoint est super... Même s'il comprend pas tout, il croit dans moi, parce qu'il voit ce que ça donne. Puis il voit ce que ça nous apporte. Puis à quelque part, je dis souvent, t'es comme mon grand sage, mais tu le sais pas. Oui, c'est vrai. C'est spécial parce qu'il y a des choses qu'il va me dire que j'apprends avec toi, puis que lui, c'est naturel. C'est ça. Tu sais, fait qu'on se complète. Puis même si tout le monde était là, ce soir-là, j'avais pas les mots et j'ai reçu les mots. Oui, c'est ça. C'est beau, ça. C'est ça, l'énergie de tout ce qu'on crée, de ce programme de reset-là, de marcher, puis de se permettre d'être... C'est le plus beau cadeau que je me fais à chaque jour, de me lever, Ouais. Et d'être entourée de cet environnement-là que j'ai décidé d'oser, de dire, ben non, moi, j'en veux pas 500 000 personnes alentour de moi. Je veux quantifier ce qui me fait du bien. Ouais. Et ce que je fais, comme on s'est parlé l'autre jour, c'est comme, ce qui m'aide à bien être, c'est de faire ce que j'aime. Oui, voilà. Ça, c'est la clé du bonheur, en fait, là. Hein? Oui, c'est d'aller, d'être et faire avec qui, avec quoi, ce que j'aime. Mm. Puis, à quelque part, ça, c'est toujours là. C'est juste que là, je maximise là-dessus et je me donne le droit de dire, j'ai le droit de vouloir ça. Et c'est pas juste pour les autres que je le fais, là, c'est pour moi. Oui, exact. Tu sais, des fois, comme là, il y a des choses qui sont sorties de cette opération-là, incroyable. Oui. Et là, j'apprends à recevoir de ce que je crée. Parce que quand je crée, c'est une vibration qui passe et c'est ça qu'on fait ensemble et c'est ça que je fais partout. Et quand, Martine, en fait, des fois, c'est comme là, on a des blitz avec Reset. Puis quand on termine la vidéo, moi et Martine, on travaille sur des pages. Là, puis bref, on travaille. Mais quand elle crée, elle est en vie. Hein, souvent, elle va me dire, ça me fait du bien, il est rendu minuit le soir, mais ça me fait du bien. C'est comme, ça met, tu sais, quand on parle souvent d'avoir un sens à sa vie, quand on crée, on est en vie au travers de tout ça. Puis l'autre chose, Martine, que je veux, juste pour ne pas oublier, tout à l'heure, tu as parlé, j'en fais encore de l'anxiété. Et c'est important de comprendre ça. C'est pas que l'anxiété va totalement disparaître. Pour certaines personnes, il va y avoir un switch à 100%, 90% de l'anxiété. Mais il y en a d'autres qu'il va peut-être avoir un point de bascule de 50%, mais 50%, ça change une vie, là. Et après ça, c'est pas dire, mais je fais encore de l'anxiété, je suis brisé. Non, c'est voici ce que je fais comme expérience présentement. Hein? Le sentiment de perte de contrôle, mes peurs prendre le dessus. OK, qu'est-ce qui se passe? Mais si j'ai des outils tout doucement pour me ramener et retrouver mon centre, c'est probablement ça que ça cause à l'intérieur de toi, parce que c'est correct de faire encore de l'anxiété. L'anxiété n'est pas le diable, c'est pas un ennemi. Hein, c'est un signe d'une perte de contrôle, mais c'est pas le diable, c'est pas un ennemi. Il y a on a des ressources et probablement ta perception de l'anxiété a changé aussi. On n'est pas brisé. Avant, c'était la bête noire, puis c'est comme si t'en parles, c'est comme si t'étais pour le causer, tu sais. Là, c'est qu'il y a des émotions qui sont prises, il faut que je respire, là. Puis souvent, ce que je fais de plus en plus, parce que tu parles souvent de gratitude, bien, quand je sens que j'ai beaucoup d'anxiété, à un moment donné, le soir, je commence à dire merci à tout ce que j'ai. Tout ce qui m'entoure. Puis ça baisse. Ouais. Ça s'en va. Ça se défait. Mais c'est tellement... Tu sais, regarde, j'ai tellement vécu des grosses passes sur ce que j'écoute. Puis ça joue physiquement. Ça te cause de la maladie. Du côlon irritable, j'ai vécu ça pendant à peu près 10 ans. Écoute, à un point que je ne vais pas pouvoir me rendre d'une place à l'autre puis de faire ça dans mes culottes. OK? Arrête, j'ai trop d'images! Mais qu'est-ce qui a arrêté ça? Puis ça, c'est vrai. Quand j'ai décidé de me choisir puis je suis partie à mon compte. Tu vois? J'ai plus refait de crise depuis. Et puis c'était intense, là. Quand on n'est pas à la bonne place dans la vie nous le dit. Bien, en même temps, tu sais, comme tu dis, il fallait que je vive ça. C'était essentiel, c'est ça. Tu sais, comme le cancer m'a permis d'encore plus ancrer bien des choses, puis c'est plate à dire parce que faut comme enlever la lourdeur qu'on met après les mots parce que faut juste vivre les choses. Tu sais, comme on parle de cancer, mais on peut parler d'autisme. J'ai 2 enfants qui ont un trouble envahissant du développement. Ouais, mais ils n'ont pas ça. Ils fonctionnent d'une certaine façon et ça change continuellement comme moi, je change continuellement. Et ils sont tellement rayonnants, tes enfants. Oui, et j'apprends tellement d'eux, dans le fond. Eux, ils vivent dans le moment présent. Exact. Ils sont pas du tout brisés. Ils savent. Ouais. Sans le savoir, ils savent. Fait que eux m'ont appris. Mon fils, il avait des problèmes de santé, il y en a encore, il mange pas ce qu'il veut. Puis il vomissait, puis après ça, il filait bien, puis il venait danser dans mon bureau. Je veux dire, quand j'ai eu le diagnostic de cancer, ma première pensée, c'est mon fils, comment il gère ça. C'est ça. Ça a été un modèle d'une certaine façon. Vous êtes un peu, là, wow, mon gars, il vit ça depuis des années, certaines, et souvent à Sainte-Justine et tout ça, puis là, wow, regarde l'attitude et la lumière, il est tellement lumineux avec ses yeux, c'est fou, là. Ah non, et là, okay, attends un peu, peut-être que je peux en prendre sur moi puis arriver à calmer tout ça, là. Puis tu sais, quand tu vis avec... les enfants qui ont peut-être plus de besoins ou tout ça, à un moment donné, tu t'oublies totalement et tu es tout le temps dans la gestion de crise. Et tu oublies qu'il y a un moment qu'il n'y en a pas de crise. Ouais. Fait que tout ça de surfer les vagues, ça c'est... Fait que c'est comme un naturel qu'on fait les choses ensemble. Que je suis là-dedans parce que c'est connecté avec ma vie. Je peux pas faire autrement. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Énormément. Je changerais rien. La vie, elle a un sens. Tu sais, pensez-y, participez à une grande vision. On peut voir que François est en train de lancer Reset, que François, il fait business, que François, il fait des 777 $ que... C'est aussi vrai. C'est une manifestation d'abondance, c'est de l'énergie, c'est un transfert d'énergie et c'est ce que j'enseigne aussi au travers de Reset. Mais au-delà de ça, c'est une grande vision, c'est une grande mission, tout ça. C'est une grande co-création. Avec moi, je suis loin d'être toute seule. J'ai toute une équipe qui est là avec moi, mais toute cette équipe-là sont alignées pareil comme Martine. Je pense, on voit Nathalie Hébert qui vient de nous dire que présentement, elle a le colon irritable. Ah non, j'ai eux aussi eu le colon irritable. Excuse-moi, Nathalie. Nathalie Hébert qui est là, Nathalie Côté qui est là, Nathalie Lucas, Geneviève, bref, on est toute une super équipe qui est là pour se soutenir, mais on est tous dans la même direction. Et ce qui est beau, c'est qu'on se libère ensemble. Souvent, les gens vont dire, tu sais, moi, je suis un entrepreneur depuis que j'ai 17 ans et un entrepreneur ne peut pas être ami avec ses employés et tout ça. Moi, vous savez quoi, la gang? Moi, c'est mes amis. C'est mes amis. On marche ensemble. On grandit ensemble, on se libère ensemble, on s'est toutes vues pleurer, toute la gang, et c'est OK. On se perd ensemble, ça arrive aussi de temps en temps, et c'est OK. Mais ce qui nous tient, c'est cette vérité-là, c'est cette humilité-là, c'est cette solidarité-là qui va être là au milieu de tout ça. Et tout ça, ça fait quoi? Ça met un sens à ce que l'on fait. Mais comme tu dis, c'est de l'énergie, tu sais. Pour tous ceux qui pensent que ah non, je donne, fait qu'il faut pas que je fasse de l'argent. Moi aussi, j'apprends là-dedans parce qu'à quelque part, si tu n'as pas de sous, tu ne pourras plus donner à un moment donné. Tu ne peux pas donner, tu ne peux pas tenir une structure comme on a non plus. T'sais. Non. Pis, c'est de l'énergie de toute façon. Oui, c'est ça. Puis, moi, j'ai appris ça parce qu'encore là, avec ce qu'on crée, puis ça, des fois, je me dis, ben oui, mais reviens à si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas faire ce que tu aimes. Et c'est d'aider les gens, mais c'est tout. Ça tout s'emboîte ensemble. Puis quand tu finis par enlever le mot argent, puis tu dis c'est que de l'énergie, il faut que ça, pour faire circuler, c'est comme quand on donne un câlin, c'est comme quand tout est de l'énergie. Mais c'est dur à comprendre au début, ça, quand tu dis ouais, mais l'argent c'est de l'énergie, ouais, t'as peur là, avec ton attitude d'argent, c'est de l'énergie, ouais, mais c'est de l'énergie. Il faut marcher le terrain, il faut déconstruire nos perceptions, nos paradigmes. Il faut venir comprendre que c'est effectivement toute l'énergie. Qu'est-ce qui va guérir? C'est aussi de l'énergie. Mon focus, mon attention, je t'ai fait une super belle méditation. Oui. De guérison, comment tu te sens quand tu fais cette méditation de guérison? Hey, écoute, ça a tellement poussé des illustrations, des textes, ça. C'était intense. Ça me réveillait la nuit, il fallait que je le fasse parce que moi, je suis comme ça. Puis on est toutes comme ça. Quand tu le sens... Ça m'a mis le focus total sur je suis bien. Ouais. Tout est là. Ouais. T'es OK. Ouais. Calme-toi. T'es guéri. Ça va bien aller. C'est se donner une couverture d'amour énorme. En fait, tu sais, quand on comprend là, qu'est-ce qui se passe, on est tous une extension de Dieu. On est tous complets. On est tous la plus belle merveille au monde. La différence entre chacun d'entre nous, c'est qu'on n'a pas nécessairement toute la même compréhension et la même maîtrise de notre attention, de notre concentration. Et si on n'a pas la même maîtrise de notre attention, de notre concentration, on manifeste selon nos blessures, nos souffrances, nos négativités. La visualisation, exemple, la méditation que je peux avoir faite à Martine, tout simplement, j'ai emmené Martine dans un univers où est-ce que son attention était sur moi. Et par cause à effet, avec qu'est-ce que je lui ai emmené, je lui ai dit, puis je lui ai fait connecter, elle dégageait à l'intérieur d'elle, naturellement, ce qu'elle a besoin de dégager pour se guérir, pour revenir dans son point d'harmonie parfait. Et le but, c'est pas de dire « je veux avoir la guérison », c'est la première fois que vous allez m'entendre dire cette phrase-là, c'est « ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Reviens ici, t'es complet, il manque absolument rien. » Et la réponse, c'est quand tu termines cette méditation-là, Martine, tu te sens comment? Ah! en paix et bien. Peu importe, bobo à l'orteil ou cancer, c'est l'intérieur qui... Tu sais, comme quand on a des boutons, ça se propage. Puis tu sais, ce que tu dis, c'est que j'ai pas passé mon temps à dire « Non, je veux pas ça, je veux vivre ça comme ça aux gens. » Au contraire. Je suis là-dedans, donc suivez-moi et regardez François. J'ai jamais fait ça. J'ai juste commencé à être, continuer à focuser sur être le mieux possible. Puis ça a fait que les gens alentour de moi, ben ça fait ce que ça fait et c'est super positif, le retour. Tu sais, sur le coup, tu sens que, tu sais, que ma mère, j'aimerais ça qu'elle comprenne au début, tu sais, quand tu commences, puis après ça, quand tu finis par laisser aller puis arrêter de vouloir contrôler la planète puis mettre le focus sur ce que tu peux être, ouais, le reste se place. Ah, vraiment. Tout mais trop. Oui, il y a des contractions sur le coup. Oui, il y a des tu sais, mais quand tu es attaché à un résultat, puis c'est super important, c'est que je ne suis pas attachée au résultat. Je suis plus. Le peu que j'avais, j'en ai plus. Fait que quand les gens me demandent « Et puis, ça te donne quoi? » À ce moment, je me sens bien, puis c'est ça. C'est ça qui est important. Mais ce que ça va donner plus tard, ce que ça va faire, I don't care. En ce moment, là, j'ai trouvé une paix intérieure, j'ai retrouvé ce qui m'habite. Et là, je nourris ça comme je peux. Puis oui, il y a des moments où c'est difficile, mais j'ai des outils maintenant pour me ramener. Puis la façon que c'est fait, Reset, parce que quand ça a commencé, puis de faire les documents, moi, ça m'a pris, là, je suis dedans. On a évolué, là. Ça m'a pris, ça me prend le temps que tu es en train de changer les choses pour comprendre et l'intégrer. Et on est rendu au 6e qui s'en vient, puis je sais que je vais apprendre, je vais intégrer d'autres choses. Puis c'est comme quand on regarde un film, puis on voit des choses à chaque fois différentes. Mm. Bien, c'est carrément ça. Reset, c'est pas pour rien qu'il évolue constamment parce que les enseignements, les fondamentaux sont là, mais la façon dans laquelle, où tu es rendu, il y a d'autres choses qui vont émerger, puis moi aussi, puis c'est tout, ça tout ça s'interconnecte. Ah, c'est ça, c'est parfait. Tout est là, il manque absolument rien. Bref, Martine, ton message, tu iras voir les commentaires, tu as des tonnes de commentaires, puis c'est ça le but des entrevues que l'on fait, c'est que les gens puissent se voir dans Denise, dans Alexandra, dans Martine, et c'était le cas aujourd'hui. Vos partages étaient vrais, votre partage était un reflet des gens qui nous regardent. Et j'aime beaucoup partager qu'on n'est pas arrivé, et on ne sera pas arrivé. C'est comme on est en processus de pleine réalisation, de purification, et de comprendre que si on se donnait la main à partir de maintenant, pas obligé d'être dans le reset, on s'en fout là, si vous ne rembarquez pas dans le reset, c'est pas important ça. Mais si on se donnait la main puis s'entre-inspirer, en accueillant qu'est-ce qu'on est en train de vivre, en accueillant notre anxiété, en accueillant la maladie qui se présente, en apprenant à faire le switch, en revenant se reconnecter, parce que c'est ça le but, finalement, on dit toute la même chose. C'est de dire « Hello! Hello! T'as déjà tout, là! Il manque absolument rien, là! Hello! Regarde à l'intérieur de toi, parce que sinon, tu vas passer ta vie à chercher à l'extérieur de toi, puis tu ne trouveras jamais. » C'est peut-être le temps de refaire les modèles puis de venir voir à l'intérieur de toi parce que tu es complet, tu es parfait, il ne manque absolument rien. Et à ce moment-là, quand on commence à faire ça, on devient le modèle pour nos enfants. On devient le modèle pour nos amis, pour notre mari, pour notre femme, pour les gens qui nous entourent et ça change notre vie intérieure. Merci les amis. Hein? Est-ce que Alexandra et Denise et Martine vous ont inspiré? Hein? Tellement. C'est extraordinaire, Martine, tu as un calme, il y a quelque chose de très serein quand tu parles, c'est vraiment beau, un beau parcours. Wow. Je suis fier de toi. Je suis fier de chacun d'entre vous. Merci les amis d'avoir arrêté votre temps, d'avoir partagé avec tout votre cœur, votre générosité, c'est super, super, super apprécié. Ma belle gang sur Facebook, sur YouTube, sur ceux qui nous regardent, je veux juste vous remercier, c'était la dernière entrevue d'une série de 7 entrevues. J'ai partagé plusieurs personnes. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que j'ai fait un appel sur ma communauté Ubuntu. Il y en a-tu qui auraient envie? J'ai une idée de faire des entrevues. Je veux pas couper dans les montages. Je veux qu'on s'en aille dans le flow. J'ai même pas envie de savoir qu'est-ce que vous allez dire. Et j'ai eu un élan de générosité de plein de gens. Hein, j'ai pas pu prendre tout le monde. J'ai eu un élan de générosité de plein de gens qui voulaient partager. Plein de monde a besoin de dire quelque chose. Et dans la période que l'on est, on ne doit pas faire des super joueurs, superstars, mais plutôt comprendre qu'on va tous faire ce changement-là ensemble. Et moi, c'est ce qui m'allume. C'est ce qui m'anime. Et j'ai envie de vous partager, si je suis capable, avant de quitter, share screen, ça marche-tu ça? Regardez, ce matin, Facebook, il m'a proposé, v'là 3 ans, mon tout premier bootcamp Reset. Je peux-tu faire ça de même si je fais ça? OK, j'ai besoin de vous juste enlever vos photos, mais je vais vous le montrer, je vais vous en reprendre après. Regardez ça ici. Attends un peu, j'enlève Martine. Mon tout premier en 2017, aujourd'hui, le 23 janvier, était le tout premier bootcamp Reset avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personnes! En fin de semaine, dans le 1 et 2 février, on va être 700 personnes. Ça, c'est sous Québec. Puis on s'en va en Europe. On est en train de... On finalise ça en fin de semaine. D'ici la fin de la semaine, on va être aussi 700 personnes en Europe pour le Bootcamp Reset. Ça, ça veut dire une chose, la gang. Ça, ça fait 3 ans. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que tout change. Tout est en train de se transformer. Tout est en train d'évoluer. Tout est en train d'éveiller. Je me rappelle un jour, j'avais de la misère à prendre ma place hein, en tant que coach et tout ça parce que ce que je voulais pousser, je ne le voyais pas. Je ne le trouvais pas. C'était des modèles de performance, des modèles de leadership, d'excellence et tout ça. Ou j'avais d'autres qui étaient, que je percevais, hein, c'est toujours un jugement encore de ma part, très spirituel et pas nécessairement ancré. Puis à un moment donné, ça a fait, si le modèle n'existe pas, crée-le. Et j'ai décidé de créer ce modèle-là. Et de cette façon-là, il y a plein de monde qui se sont reconnus parce qu'en fait, la réalité, la vie, c'est pas ça ou ça. La pleine conscience, c'est ça et ça. On est tous ça. On ne sépare pas l'argent, on ne sépare pas le leadership, on ne sépare pas les blancs, on ne sépare pas les noirs, on ne sépare pas les musulmans, on ne sépare pas les catholiques. C'est tout ça. On peut-tu comprendre notre machine, prendre notre responsabilité, tourner notre regard vers l'intérieur et voir qu'est-ce qui nous limite dans notre vie, qui appartient peut-être à mes parents qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient en nous partageant leurs connaissances. Il y a peut-être des parties de moi que j'ai à apprendre à laisser derrière, à mourir dans une vieille version de moi-même et de me réinventer le temps que je suis en vie. Parce que Martine l'a tellement bien dit, c'est ici que c'est important. C'est ici que c'est important de retrouver les étoiles dans les yeux, ce sentiment de vitalité-là. Et c'est un peu ce que je propose au travers de Reset. Si vous avez un intérêt, on ferme les portes de Reset dans 4 jours. Sinon, ça va aller en 2021, à la même date, janvier-février 2021. On fait une cohorte par année maintenant. Donc, si vous avez un intérêt, on a les liens en haut, juste au-dessus. Et je vous donne un scoop maintenant. Samedi, 10h, même heure. Samedi 10h, je fais un live, un peu comme mon webinaire que j'avais fait, Prends ta vie en main, mais ça va être un live de 2 heures avec ma femme Nathalie. On va parler des couples, on va parler du pattern de performance, on va parler du besoin de sauver les autres, on va besoin... Pourquoi que je fais ça? Parce que déjà là, on a la plus belle cohorte qui soit, la plus grosse cohorte qui soit. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rejoindre Reset, pas une question financière, une question de temps ou quoi que ce soit. On veut vous donner un max de valeur encore une fois. Et même quand Reset va être terminé, les inscriptions, ce contenu-là va être encore tout sur le web. Donc, je vais venir vous donner encore 2 heures de contenu supplémentaire. Comment vivre en pleine conscience dans le couple? Est-ce qu'on a toujours été où est-ce qu'on est présentement? Vous savez, Nathalie, elle m'a sauvé la vie. J'ai drainé son héritage qu'elle a eu, Nathalie. Hein? Vous allez peut-être me voir sur une autre version que vous n'allez peut-être pas nécessairement aimer. Mais on a transformé notre vie. Nathalie est enquêteur au crime majeur au SPVM. Elle a fait un acte de foi, laissé son fonds de pension. Aujourd'hui, elle travaille avec moi dans le Happy Team. On co-crée la vie qu'on est en train de vivre. Bref, on est responsable de la vie qu'on est en train de vivre. Donc, on va prendre 2 heures de temps pour vous partager tout ça. Vous allez voir les détails apparaître sur la page Facebook prochainement. Merci d'être là. Merci de me suivre dans toute cette belle aventure-là. N'hésitez pas à partager et à venir écrire sous les commentaires à Denise, à Martine, à Alexandra. Qu'est-ce qui vous ont fait vibrer? Puis, merci d'être avec moi dans cette belle aventure d'éveilleur de conscience, de changer le monde. Parce que vous savez quoi? Dans quelques années, on va dire, c'est quoi? Nous, on a participé à tout cet éveil-là, cette transformation dans le monde. Et ça, je pense qu'on peut être vraiment fiers. Alors là-dessus, c'est François Lemay qui vous dit qu'est-ce que j'aime, ma gang, vous embarquez, vous ici avec moi. Je vous aime. Et on se voit bientôt. Bye, ma belle gang. Bye.